اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وكفى بربك هاديا ونصيرا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا Bismillah, salamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Alhamdulillah. 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 Bismillah. Alors, salamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, Inch'Allah, dans cette euh, conférence qui. Euh, en réalité, au vu de son format, pourrait être considéré comme une masterclass ou un livre euh, presque audio. Alors, j'espère que vous avez prévu de quoi pouvoir tenir. Il y en a qui m'ont parlé de café, il y en a qui m'ont parlé de chocolat, il y en a qui se sont mis bien au chaud avec du thé. Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez prévu de quoi tenir euh, avec nous durant cette soirée qui s'annonce euh, longue, je vous l'accorde. Mais, Inch'Allah, chargé. Euh, en connaissance et je l'espère en, en prise de conscience et en volonté d'agir en son âme et conscience, en toute connaissance des tenants et des aboutissants, Inch'Allah. Et d'ailleurs, si le temps vous paraît trop long, ce que je peux comprendre bien sûr, on espère pouvoir mettre en ligne ce week-end la rediffusion de cette soirée en plusieurs parties sur notre chaîne Rappel et Éveillé spirituel, Inch'Allah. Je remercie Allah de nous avoir permis de nous rencontrer en son nom. De nous connecter en son nom et qu'Allah accepte nos intentions, Inch'Allah, et qu'il nous accorde, Inch'Allah, sa satisfaction. Je remercie bien sûr les sœurs de la technique qui, euh, ce soir, vont à tour de rôle se transmettre le témoin, car sans leur aide, ce type de rencontre ne pourrait avoir lieu. Elles sont les premières à ouvrir et elles restent, euh, restent jusqu'à la fin elles sont les dernières à, à fermer. Et Allah et Dieu sait ô combien les premiers à arriver et les derniers à partir ont de la valeur auprès d'Allah. Qu'Allah Allah vous protège, mes sœurs. Je remercie euh, notre amirate Maria Omaïman qui ce soir va réciter les versets du Quran qui vont venir en soutien pour soutenir mes propos comme, comme des piliers solides soutiennent une bâtisse. Et je remercie bien sûr toutes nos amirates qui tous les matins depuis le Covid, le ou la Covid, je ne sais même plus comment il l'appelle, sont les sentinelles de lumière pour la communauté qui sont là sur le, sur le pont tous les matins, qu'Allah les récompense. Et puisse chaque seconde qu'elles euh, nous accordent de leur vie, qu'elles nous ont accordée, leur soit rendue en balaka dans leur santé, dans leur famille, dans leur projet, Inshallah, amin, ya Une pensée particulière pour euh, la nièce de notre sœur Horia euh, qui se bat contre la maladie et qui a... Euh, si je peux dire, laisser une jambe au combat, une jambe, Inch'Allah, qui la devancera au paradis. Et que Dieu fasse que l'issue de cette opération soit la rémission complète à cette maladie du siècle qui ne cesse de ronger nos cœurs et, et nos familles. Une pensée pour le frère de Oumal Benet qui a subi un électrochoc cardiaque pour relancer sa rythmie, qu'Allah lui facilite. Pour le papa de notre Aïda, pour Haji Jamila et pour tous nos malades, Inch'Allah, Rabbi jib Inch'Allah, Amin. Une pensée aussi particulière pour euh, notre sœur Ansa, qu'Allah illumine ta tombe et t'envoie ses anges te saluer de notre part comme lui seul peut le faire. Elle a rejoint son Créateur après toutes ces années dévouées et dédiées à la dawa. et au Rafa al Qur'an, que les magnifiques traces de son passage sur terre perdurent encore et encore, Inshallah. Et aussi, je vous remercie, chères auditrices et auditeurs. De nos soirées spéciales étant ouvertes aux, aux familles, je vous remercie d'être toujours là, fidèles au poste. Malgré vos occupations, la fatigue, vous vous connectez pour assister à nos différents événements. Et Dar al-Qur'an, c'est aussi vous et votre présence et vos témoignages qui nous donnaient la force de, de continuer. Donc, euh, je tenais te à vous remercier aussi ce soir, Inch'Allah. Je vais commencer par le dua Allah, ma'shrah li sadri, wa yassir li amri, wa min euh, Est-ce qu'on continue de bien m'entendre, Inch'Allah? Al Parfaitement bien, Bibi. Alhamdulillah. Alors, euh, qu'Allah me fasse dire les bonnes choses aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Allahumma arina al-haqqa, haqqan, wa arzakna tiba'a, wa arina al-baatila, baatila, wa arzakna jtinaba. Rasul sallallahu alayhi wa sallam de faire cette magnifique invocation que j'aime tant. Qui consiste à demander à Allah subhanou, de nous montrer la vérité, mais pas n'importe quelle vérité. Qu'Allah nous montre la vérité telle qu'elle est et pour ce qu'elle est et nous aide à la suivre. Et ça, c'est important, la suite du doigt. Et qu'il nous montre le faux tel qu'il est et pour ce qu'il est et nous aide à l'éviter et à le rejeter, Amin. Et comme je le rappelle dans euh, mon livre Le Plan de Dieu, dans le tome 1, Allah subhanahu wa sait combien cette invocation est puissante, elle est impactante et elle est très lourde de deux sens. Et Dieu sait ô combien on en a besoin particulièrement en ces temps troubles, de vérité et de nous éloigner de tout ce qui pourrait être bâdal. Le prophète, alayhi wa sallam, il demande quoi exactement à Allah, qui est celui et le seul qui sait vraiment et qui est celui qui voit vraiment et qui montre à qui il veut. Il lui demande quoi. Il lui demande de lui montrer la vérité. C'est tout Tout court Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de préciser dans sa demande qu'il lui montre quoi Il lui demande de lui montrer le vrai du vrai, comme dirait mon père. La vérité telle qu'elle est réellement. Et non pas une vérité des complaisances, des apparences, donc une vérité qui, qui serait là pour venir nous rassurer, qui serait donc du coup presque incomplète et qui, du coup, aussi susciterait en nous du doute et nécessiterait encore plus d'interprétation. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande la vérité réelle et complète dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a de plus beau, mais aussi de ce qu'elle a de plus cruel à entendre. La vérité dans son sens apparent et caché en sachant que toute vérité est lourde à porter. D'ailleurs, c'est Peut-être aussi pour cela que la montagne s'est affaissée. Et donc toute vérité lourde à porter, elle n'est pas facile à accepter, à avaler, à admettre, à assumer. Et qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Et dans son invocation, sur sa demande de vérité, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rajoute Car oui. Aujourd'hui, SubhanAllah, j'ai eu à lire plusieurs articles de recherche et, et, et des livres de, de personnes que j'appelle des chercheurs de vérité et des éveilleurs de conscience. On aura l'occasion d'en parler ce soir. Des sceptiques qui remettent en question les vérités toutes faites, prêtes à cuire, les vérités qu'elles soient historiques, politiques, qu'on voudrait nous faire avaler tout cru. Eh bien, ces chercheurs de vérité, SubhanAllah, ont vraiment été très loin dans leur enquête. Tu vois bien, ils y ont passé et consacré beaucoup de temps, de nuits. Et c'est tout en leur honneur, hein, d'heures de recherche. Euh, ils y ont peut-être pour certains même consacré leur vie euh, à n'en pas dormir pour connaître euh, la vérité des choses et la faire connaître, comme par exemple le lanceur d'alerte Snowden qui a dû se réfugier à Hong Kong depuis euh, ses révélations. Ces chercheurs de vérité... Euh, ont fait des découvertes très importantes. On peut même dire qu'ils ont découvert effectivement des vérités cachées, des secrets d'État, des dossiers chauds brûlants qui ont permis de, de démanteler euh, des réseaux d'espionnage téléphonique, des réseaux de pédocriminalité, des réseaux de corruption et de, et de satanisme. D'ailleurs, le film euh, Sound of Freedom, euh, sorti actuellement, en est l'illustration. La vérité peut te faire voir et découvrir le paradis et tout le bien qu'il représente tout comme la vérité peut te faire voir et découvrir l'enfer et tout le mal qu'il représente sur Terre. Et il en faut, et il en faudra des épaules solides pour supporter le poids de la vérité, car ne sachant quoi faire de ces vérités, j'ai pu voir que certains, euh, ces fameux chercheurs de vérité, vont et, et, vont, et vont pouvoir tomber dans l'égarement, car oui, la vérité peut t'égarer si tu ne sais pas l'utiliser. Rappelez-vous, euh, le dernier rappel que euh, j'avais fait, que j'avais intitulé « Battre le fer tant qu'il est encore chaud », euh, dans lequel j'avais parlé de cette fameuse fièvre qui atteint la communauté lorsqu'un membre est touché. Euh, -nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avais alors expliqué que la fièvre peut atteindre notre foie, nos reins, nos poumons, et générer en nous de la colère, de la peur et de la tristesse. Et du coup, en fonction de nos tempéraments, j'avais expliqué que on ne réagissait pas de la même façon devant les injustices. Eh bien, il en va de même avec ceux qui découvrent la vérité et les vérités. Certains, cela va les mettre en colère, voire même très en colère. D'autres, ils vont avoir peur, voire même avoir très peur. Et d'autres vont ressentir de la tristesse, voire une très grande tristesse et un dégoût profond pour ce monde. Et il nous faudra savoir gérer nos émotions quand on découvre la vérité et le mensonge. Beaucoup trop d'horreurs ont été faites au nom de la vérité. La vérité ne devra jamais nous faire perdre la raison et nous faire commettre euh, le pire. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire dans euh, Sourate al maida au verset 119 Allah فع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم Allah Subhanahu wa Ta'ala dira, voilà le jour où leur véracité va profiter au véridique. Et c'est de ça dont on a besoin. C'est que la vérité que tu découvres te sert et sert au véridique. Voilà le jour où leur véracité va profiter au, au véridique. Ils auront, inshallah, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et le, 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 la cerise sur le gâteau. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà donc l'énorme succès. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à ne savoir que ce que l'on pourra supporter de savoir. Un savoir qui ne nous éloignera pas du, du vrai finalement, qui ne nous éloignera pas du bon comportement, du vrai comportement à avoir. Un savoir qui ne nous éloignera pas de la bonté, euh, de la noblesse de caractère et de sa guidée. Amin. Alors, pour illustrer par des faits concrets mon propos sur ce que la découverte de vérité peut provoquer comme conséquence, et eh bien sachez que, en s'apercevant, ces fameux chercheurs de, de vérité, en s'apercevant que le verre a pénétré le fruit, comme dit le proverbe, et que dans le monde de la chrétienté, par exemple, ce n'est que apparence biblique, mais que le diable et ses serpents y officient. Voici donc une image qui illustre les symboles euh, que malheureusement ils s'envoient entre eux. Et bien, certains euh, s'apercevant que le verre a pénétré dans le fruit vont non pas seulement renier l'Église en découvrant cela, car même au sein de l'Église, il y a bien sûr des résistants qui dénoncent. C'est d'ailleurs sur un site chrétien qui traite de l'idolâtrie et du satanisme dans l'Église que j'ai trouvé cette euh, image. J'ai aussi trouvé cette image euh, euh, qui représente euh, l'architecture de la salle euh, Paul VI euh, du Vatican, qui représente vraiment le ver qui a pénétré le fruit et euh, le serpent. Euh, euh, dont on connaît l'histoire dans la chrétienté, qui serait la représentation du diable qui aurait incité aide et Omanahawa à manger du fruit. Euh, donc, certains, on peut remettre l'affiche pour ne pas s'affliger cette image horrible, euh, certains tellement déçus et désenchantés par la réalité. Euh, Vont malheureusement, en ayant découvert ce type de vérité accablante et bien d'autres que je ne détaillerai pas ce soir car ce n'est pas mon propos, eh bien, en ayant découvert ces faits, certains se sentant trahis, sentant que l'on a abusé de leur confiance, ils vont vouloir tout rejeter en bloc et malheureusement, Dieu et son chemin compris. Car leur scepticisme leur a certes servi, et c'est une qualité que de ne pas croire sans preuve et de ne pas vérifier ce que l'on. Euh, de, 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 de vouloir vérifier ce que l'on nous dit, de garder, de chercher à garder euh, grand ouvert les yeux de nos cœurs et de notre entendement. Et donc, ça leur a permis de voir la vérité. Mais cette vérité était tellement dure à accepter qu'elle euh, a pu les aveugler, certains de plus belles, et qu'elle les a éloignés euh, de Dieu. Affronter ce que l'humanité peut faire de pire pour l'éviter, dans la solitude de la recherche de vérité, est une douloureuse épreuve. Et sans l'aide d'Allah et de sa communauté, on peut sombrer dans le désespoir, dans la solitude, voire même... Pour certains, dans une forme de paranoïa et de folie que j'ai eu à lire. Mais pas d'inquiétude, car tout chercheur de vérité, sincère et saint d'esprit, retrouve forcément Dieu à un moment donné sur le chemin, car Dieu est vérité et il attend sur le chemin les, ch les sincères véridiques qui s'y engagent. D'autres vont tomber dans d'autres formes de pièges à l'issue de ces découvertes. Ils vont être attirés dans des types de religions euh, dites sans dogme, New Age. Enfin, c'est ce qu'ils croient, car dogme et allégeance, il y a toujours dans, sans qu'ils ne le sachent. Et certains, certains du coup, euh, iront même par croire à des choses encore plus irrationnelles que celles qu'ils dénonçaient par avance, comme euh, ils vont finir par croire à l'existence d'extraterrestres n'ayant pas pas jusqu'à leur connaissance ou ne donnant pas d'importance à l'existence des djinns et à leur manipulation, ils vont confondre, comme dit la chanson de Cabrel, la lumière des étoiles avec des réverbères et du coup en interprétant mal, par manque de connaissance, des visions et des images qu'ils découvrent et que Dieu les guide car en ayant cherché la vérité, il leur manque ce que j'expliquais. Et il nous faudra être très très humble et vigilant. La vérité peut nous rendre arrogant et imprudent. La vérité est quelque chose qui se manipule avec sagesse, prudence et délicatesse et surtout avec l'expression convaincu Allah a'lam wa a'la, et seul Allah sait vraiment tout et il est au-dessus de tout ça. Sur le chemin il nous faudra accepter de nous tromper, accepter de ne posséder qu'une partie des vérités, et que beaucoup de choses nous échappent, car la vérité, la vérité est nuance, la vérité est multiple, elle est multicouche, tout comme il n'existe pas une seule raison à ce qui se passe en Palestine, mais énormément de causes qui n'annulent pas l'autre, mais qui viennent s'ajouter les unes aux autres. La vérité est une somme de parce que. Et idem dans cette invocation, le prophète sallallahu wa sallam va demander qu'allah lui montre le faux. Il lui demandera de tout savoir sur le faux tel qu'il est et pour ce qu'il est. Qu'il lui montre tout ce qui est superficiel, batal » ça veut dire aussi inutile, superficiel, et tout ce qui ne mériterait pas d'intérêt. Le faux dans son sens apparent et caché. Pourquoi Juste pour le connaître, le reconnaître Non. Pour l'aider, pour l'aider, pardon, à l'éviter se mettre dans la position de l'évitement, du rejet. Rappelez-vous mon rappel battre le fer sur YouTube dans lequel je parle de l'adoption du bon et de l'évitement du rejet et du mal. Je tiens aussi à préciser que certains chercheurs de vérité vont dénoncer une vérité et éveiller les gens sur cette vérité. Mais certains, pas tous, attention, bien sûr, certains vont utiliser cette vérité pour justifier leur thèse du rejet de l'autre par exemple vous avez des personnes qui ont fait des recherches de dingue sur tout le réseau pédophile mondial et l'esclavagisme mondial d'enfants je vous ai parlé des tailles qui glacent le sang ils ont risqué leur vie pour dénoncer et ils continuent de, de la risquer car nombre de ces pédophiles appartiennent aux hautes aux autres instances aux médias aux tribunaux et même parfois même au sein de la protection de l'enfance les vers aiment s'infiltrer dans les pommes depuis le début de l'humanité comme je l'ai expliqué et aussi malheureusement ces mêmes chercheurs donc, pourront par ailleurs soutenir des actes de sauvagerie réalisés par des racistes sur des migrants prétextant la sécurité aux frontières et voulant lutter contre les vagues d'arrivées de réfugiés. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut être un très bon chercheur de vérité et mener des enquêtes euh, de profondeur, mais il faudra chercher à comprendre et à défendre toutes les vérités et non pas seulement celles qui servent mes thèses et ma sécurité, car on peut faire dire à la vérité ce que l'on veut. C'est d'ailleurs ce que font les intégristes et c'est ce qu'a aussi pu, par exemple, euh, faire cet homme qui a tué Sayyidina Uthman ibn Affan. Deuxièmement, deuxièmement cela veut aussi dire que même si vous êtes d'accord avec un chercheur de vérité sur un fait découvert, vous pouvez être en total désaccord sur l'explication qu'il va donner à ce fait et ce qu'il va en faire pour justifier ses actes par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire dans la surah Al-Maidah au verset 102, un peuple, avant vous, avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits euh, mécréants. Car dans la vérité, il y a la notion de ta'wil, que j'ai expliquée dans le tome 1 du plan de Dieu, à savoir la notion d'interprétation de cette vérité, de cette découverte, de cette révélation son utilisation. Je te suis jusque là dans ta vérité que tu as découverte, mais là, nos chemins vont se séparer, car les questions que tu poses, personne n'en a la réponse, et tu utilises cette vérité à des fins qui ne sont plus la vérité à mon sens. Elles sont ton hack ton interprétation de la vérité, mais plus hak hakn puissions-nous savoir ce que l'on a besoin de savoir, ni plus ni moins. Et c'est Dieu qui connaît ce que l'on doit savoir. Ce soir, nous parlerons de conformisme, d'histoire qui se répète et en quoi elle se répète, d'obéissance, de la banalité du mal et de ce potentiel humain qui peut accomplir l'irréparable sans même avoir eu l'intention de nuire. Nous parlerons du rôle des éveilleurs de conscience et de la désobéissance éthique. En effet, sous l'appellation éveilleurs de conscience, on parlera de trois types de désobéissants différents, si je puis dire, qui entrent dans la catégorie de ceux qui ont basé leur mission de vie en accord avec Amorbel <laughs> bel ma'roof, Mongol. Ceux qui nous rappelleront, ceux qu'on qu appellera ce soir, les refusants, les objecteurs de conscience et les sauveteurs. Ce que j'expliquerai dans la deuxième partie de ma soirée. Toujours euh, dans mon propos, comme vous venez de le voir en lien. Un lien vivant avec le Coran pour faire de la parole divine une révélation au sens véridique du terme, car étymologiquement, la révélation veut dire l'action de découvrir, de révéler, de faire connaître ce qui était caché, secret, ce que l'on aurait pu savoir sans Dieu, la vérité. Car très souvent, ces chercheurs de vérité dans leur découverte, il leur manque une pièce essentielle au puzzle pour le compléter. Cette pièce, ces pièces de la compréhension, euh, c'est Dieu qui les détient. Et si tu veux les obtenir, si tu veux être mis au courant, tiens-toi solidement au courant. Mais aussi, tu devras accepter que tu ne saurais être détenteur de toutes les pièces, car le puzzle ne sera complètement complet et complété qu'à la fin des temps. Tu ne pourrais pas supporter de tout savoir et de tout entendre et de tout voir. Alhamdulillah, heureusement. Que l'on ne comprend pas tout, que l'on ne voit pas tout. Il n'y a que Dieu en qualité d'Al-Sabour qui est en mesure de supporter tout ça. Selon Abu Masa ashari le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Personne ne supporte mieux qu'Allah le puissant et le majestueux le mal qu'il entend. Personne ne supporte mieux qu'Allah le puissant et le majestueux le mal qu'il entend on lui associe d'autres divinités on lui attribue un enfant puis il leur pardonne et il leur fournit une subsistance rapportée par Al-Bukhari et il te faudra aussi renoncer à pouvoir donc tout comprendre et tout savoir euh, mais cela ne doit pas te dispenser de chercher à savoir parce que car ça aussi c'est un piège de Satan en te faisant comprendre que tu ne peux pas tout savoir tu risques de renoncer à chercher à savoir ce que tu es en mesure de comprendre et savoir. Et donc aussi, il te faudra, euh, entre autres, euh, entre connaître tes frères et sœurs et rencontrer ton prochain qui a un morceau de la vérité, euh, vérité qui ne saurait être complète en dehors de la Jamara, en dehors de l'union des humains et de euh, l'humanité, comme j'aime l'appeler. Donc tous les messieurs et madames, pourquoi vous vous rappelez, je vous ai dit que sur Terre, il y a les messieurs et les madames pourquoi et les messieurs et les madames comment, qui ont une tendance à chaque fois à, à dire mais pourquoi, pourquoi, et il y en a qui te disent mais comment, mais comment. Et donc tous les messieurs et madames pourquoi ne pourront jamais pouvoir tout expliquer et tout savoir, ni tout comprendre. Et tous les messieurs et les madames comment ne pourront jamais pouvoir savoir totalement quoi faire et tout ce qu vont, de tout ce qu'ils vont comprendre. Tout savoir et tout pouvoir, ça c'est Dieu qui sait tout et qui peut tout. Rappelez-vous notre credo pour patienter sur Darer « Ya Allah, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais. Le rappel donc de ce soir s'inscrit dans la continuité du rappel qu'on avait enregistré, disponible en deux parties sur ma chaîne YouTube Rappel et, vie et spirituel Battre le fer pendant qu'il est encore chaud. J'aurais pu appeler mon rappel de ce soir presque retour vers le futur, mais j'ai choisi l'histoire se répète, soit, et fait la différence. J'ai fait cette longue introduction sur la vérité et son importance, car il y a dans l'histoire quelque chose de sacré qu'il nous faudra protéger contre les mensonges et la manipulation. Les événements de l'histoire ne sont pas une suite d'événements les uns à la suite des autres, comme des dates qu'on mettrait sur une frise chronologique, mais il y a tout comme on peut relier les étoiles entre elles dans une constellation dans le ciel pour nous diriger, il y a des liens à faire entre les différents événements historiques pour pouvoir comprendre un peu le fil de l'histoire. L'histoire se répète-t-elle Et si oui, comment Et peut-on empêcher le pire de l'histoire de se répéter Et si elle se répète, et pendant qu'elle se répète, nous allons réfléchir ensemble sur ce que veut dire alors mon invitation à être. Et à faire la différence. De quelle différence je parle Comme je l'ai expliqué dans mes livres, le temps se meut en cercle, comme une boucle. Et déjà, ce qu'on répète, c'est nous sommes à Dieu, point de départ. Inna lilai, il y a un début. Et nous revenons à lui, point d'arrivée. Il y a une fin, un retour comme finalité. Selon Abu Bakr, le prophète a tenu un serment important lors du pèlerinage de la Dieu, dans lequel il a dit, entre autres, Le temps a fait un tour. Le temps a fait un tour. Pour revenir, comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Une année correspond à 12 mois, parmi lesquels quatre sont sacrés. Trois d'entre eux se succèdent, comme doul qadda d'Al-Hijjah, Muharram. Le quatrième mois sacré est Rajab, c'est le mois qui se trouve entre Jumada et Jarban le temps comme des cercles qui font des tours sur un grand cercle qui te ramène à Dieu comme une sorte de bobine comme un escalier en colimaçon comme cette forme hélicoïdale des chaînes adéaniques, de l'ADN le temps comme un cercle vertueux qui t'invite à être vertueux en tout cas un cercle un cycle terrestre avec des époques des envois de prophètes des révélations de livres, des traditions rapportées, des invitations à modéliser, et toujours les mêmes leçons divines, toujours les mêmes lois, les mêmes appels à la foi, les mêmes commandements, les appels à la justice, à l'équité, à la morale, aux valeurs, à l'unicité, à la paix, au respect, au respect des bonnes mœurs, toujours les mêmes occasions données à l'être humain d'y revenir et de se repentir. Et pourtant, comme dit la chanson, un cercle en parallèle l'attire. Celui-ci, quant à lui, est vicieux. Il a le royaume de Satan. Car c'est un cercle qui vient en opposition au cercle de la lumière. Satan, dans son étymologie, veut dire en hébreu celui qui se place en adversaire. Euh, et c'est emprunté adversarius en latin. C'est une personne, l'adversarius, qui s'oppose à une autre dans une lutte, dans une compétition et dans un procès. Et c'est précisément ce qu'a fait Shaitan et ce que continue de faire Shaitan avec Allah. Il lui a fait le procès de « tu t'es planté en fait, tu n'aurais jamais dû choisir aide Et il ne nie pas donc son existence, mais il s'oppose à lui et il fait preuve de désobéissance, d'ingratitude, d'ailleurs le mot « kafir veut aussi dire la, la catégorie des ingrats, et finit par entrer dans une forme de compétition et… Euh, je, je, euh, je, veux, je me placerai, rappelez-vous, à la droite, à la gauche de ce que euh, tu as choisi comme vicaire sur Terre. Dans son cercle vicieux, depuis le début de l'humanité et jusqu'à aujourd'hui, toujours les mêmes méthodes, toujours les mêmes fausses promesses, les mêmes bassesses, les mêmes ruses, talbis et blis, les mêmes plans diaboliques, les mêmes façons de penser et de procéder. Les mêmes appels à l'immoralité, au shirk, aux mauvaises mœurs, à l'injustice, au trafic, à la corruption, à la spoliation des biens, à la division, au mensonge, à la, à la violence, à l'égoïsme, aux drogues, aux dépendances, au libertinage. Ça donne pas envie quand on entend comme ça. Et malgré tout, l'être humain est attiré, comme sont attirées les mouches vertes par tout ce qui est euh, nauséabonde. Et, et Allah de nous dire dans la surat al au verset 100. Et regardez, subhanallah, je vais citer beaucoup de versets ce soir qui euh, se retrouvent dans la Surat Al-Maïda, pas dans l'ordre. Et vous verrez comment les versets se répondent, comment, de la même façon qu'on doit parvenir à faire des liens euh, avec les différents événements de l'histoire, on doit réussir à faire des liens avec les versets du Coran qui se répondent, qui se parlent, qui s'interrogent. Bismillah. La, donc, le verset 100 de Surat Al-Maïda. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الذي منها إن شاء إن شاء الله دي لو Il y a deux royaumes, il y a deux cercles. Même si l'abondance du mal te séduit, comme je viens de le dire. Craignez Allah. Donc ô gens intelligents, utilisez votre intelligence afin de vous extirper de ce qui vous attire là dans ce cercle-là. Et vous allez, en utilisant votre intelligence, réussir par conséquence. Donc malgré tout, parallèlement, tant que nous sommes en vie, toujours les mêmes occasions données par Dieu à l'être humain de pouvoir s'extraire de ce cercle vicieux, de pouvoir s'en protéger, de pouvoir le voir venir. Et à tout moment, Dieu t'invite à revenir au cercle vertueux à condition de le vouloir et d'agir en conséquence, en suivant donc la méthodologie du repentir en islam, rapidement pour rappeler un, être sincère dans sa volonté d'arrêter et de vouloir sortir du cercle vicieux. Et demander de l'aide si besoin pour y arriver. 2. Ressentir du regret, avoir des remords et faire beaucoup d'hystérifales en cherchant à réparer ses erreurs et ne pas s'auto-excuser facilement en minimisant ses péchés. 3. En cessant son péché et en s'éloignant de tout ce qui lui ressemble et pourrait nous faire de nouveau flancher et revenir dans ce cercle vicieux. 4. Être déterminé, une résolution ferme et demander de l'aide si besoin pour y arriver. Et cinq, enfin, que ce repentir ait lieu pendant qu'il en est encore temps, c'est-à-dire avant nos affres de la mort et avant la fin des temps. Lorsqu'on étudie l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu un combat entre ces deux cercles, ces deux mondes. Euh, donc, celui de la lumière et celui des ténèbres, celui de l'humanité vs l'inhumanité, avec des époques et des lieux bien sûr plus marqués que d'autres et plus versés vers la lumière que vers l'obscurantisme, et vice-versa, mais ça a toujours existé. C'est un aussi, d'ailleurs, bien sûr, euh, à mener en nous, euh, comme nous le rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous dit a réussi certes celui qui purifie son âme et est perdu certes celui qui la euh, corrompt. Et donc, c'est un effort à mener plus largement autour de nous afin que notre lumière intérieure brille et attire comme les butinus du printemps sont attirés par l'odeur des, des fleurs euh, on nous invite à être qonomukhtalifun soyez et faites la différence et faites de cette di différence vous savez quoi chifae onliness soyez et faites la différence et faites de ces différences chifae onliness min alors, qu'en est-il d'aujourd'hui et de ce qui se passe entre ces deux mondes, celui des ténèbres et de la lumière Et en quoi nous sommes en train de vivre une période, dirons-nous, historique et particulière Eh bien, pendant une très longue période, le cercle et le monde vicieux a plutôt œuvré dans l'ombre. Malheureusement, beaucoup de gens avec des tendances pédophiles dans les clubs de sport, dans les systèmes scolaires, dans les systèmes de protection de l'enfance, dans... voyez, parce qu'il y a un accès ou la prêtrise. Un des gros problèmes avec l'Église catholique, il n'y avait pas plus de criminalité que dans d'autres milieux qui fréquentent les enfants. Par contre, on fait très bien que pour beaucoup de pédocriminels, être prêtre, c'était pas mal. Vous voyez Et donc il y a des infiltrations. De la justice pour enfants, des services sociaux, etc. Moi je sais, j'ai travaillé en supervision avec des équipes de protection de l'enfance. Et dans ces équipes, vous avez beaucoup de gens qui sont très sincères et très honnêtement motivés par le travail. Et puis, vous avez quelques loups avec euh, une pelure de mouton euh, sur la tête hein, qui profitent du fait qu'ils sont dans cet endroit-là pour parvenir à leur fin. Euh, voilà, donc ça, si vous voulez, c'est la réalité des choses. Et puis après, ma bah, foi, les, les pédophiles, les pédocriminels, effectivement, ils n'ont pas envie de risquer 20 ans de prison. Et donc, on a vu, et là encore, je remercie Ariane Biron qui a attiré l'attention là-dessus, que au titre des droits à la différence sexuelle, L'OMS et l'ONU sont en train d'introduire la légitimité d'être attiré par des enfants. En disant en d'autres termes, c'est une forme de sexualité comme une autre. On peut être attiré par des gens du même sexe, par des gens d'un autre sexe, par des actes un peu violents, sadomaso, on peut avoir toutes sortes de goûts, et ça n'est pas à l'état de se mêler des goûts des gens. Et donc, ils sont en train d'introduire cette notion que l'attirance pédophile est une forme de sexualité comme les autres. Et là, on retrouve l'autre élément amené par les droits sexuels. Qui eux disent puisqu'on a une sexualité depuis la naissance, on a des droits sexuels depuis la naissance. Et si on est consentant à un rapport avec un partenaire, même si celui-ci est adulte, dès lors qu'on est consentant, il n'y a pas lieu de criminaliser ça. Sauf que le consentement pour un enfant ou un ado face à un adulte qui fait une démarche sexuelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de relation égalitaire. Parce qu'il y deux adultes peuvent être consentants parce qu'ils partent d'un niveau de souveraineté personnelle d'état de sujet comparable. Mais entre un enfant et un adulte, ça n'existe pas. Et donc là, on voit effectivement émerger ce motif. Alors il est bien caché, donc souvent les gens me disent Oui, vous avez dit ça, ou vous avez mentionné Ariane Biran, où est-ce qu'on peut trouver des références Mais il faut aller creuser. Mais si vous allez creuser dans ce projet, et en fait c'est dans tout un texte qui concerne euh, la délinquance sexuelle et liée aux drogues, qui vise à dire Les personnes qui consomment des drogues illégales et les personnes déviantes sexuelles sont des citoyens comme les autres, et il faut respecter leurs droits humains. Donc d'un côté c'est vrai, mais avec les interdits qu'il faut, et notamment l'inviolabilité de l'enfance. Et là, on voit qu'il y a un cheval de Troie qui est inséré à cet endroit-là. Et donc, oui, l'agent... Dans l'ombre de la lumière. Il préférait être euh, invisible, pernicieux, discret, secret, caché. Et on ne se vantait pas d'être attiré ou d'avoir flanché. On avait même honte et on ne faisait pas des signes diaboliques comme on vient de voir dans les images. On ne s'affichait pas, on ne se photographiait pas et on ne se vantait pas de ses péchés et de son infidélité. Et puis aussi, il y avait... Des limites, on ne touchait pas aux anciens, aux enfants, au moins, enfin, au moins, dirons-nous, et surtout pas en public. Et il y avait, quelques limites, il y avait euh, quelques limites des principes même chez les pires mafieux et les pires crapules. Auparavant, euh, on connaissait davantage ceux qui fréquentaient les cercles vicieux, mais aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Avant... Euh, on les reconnaissait, on s'en méfiait, on ne leur faisait pas forcément confiance, on savait reconnaître quand qu ça ne sentait pas bon. Il n'y avait pas euh, ce mélange des genres qui existe aujourd'hui. C'était cantonné dans certains lieux, quartiers, endroits, milieux. Mais petit à petit, le cercle s'est agrandi. Mondialisation et modernité obligent, Internet et les réseaux ont facilité la contagion. Du vie, la contagion. Euh, du vice, pour ne pas dire la contamination de la planète. C'est comme si euh, la fitna, le noir, le sombre, les ténèbres étaient rentrées dans chaque maison et qu'elles s'étaient infiltrées, faufilées dans l'entrebâillement de nos portes, puis dans l'entrebâillement de nos bouches, de nos cœurs, de nos yeux, de nos intentions. Toujours les mêmes méthodes. L'histoire se répète et retenez bien ces mots qui seront aussi des fils conducteurs de notre soirée ce soir. Quels sont donc ces mots Infiltration, manipulation, illusion, inversion, je répète. Infiltration. Donc, Dieu nous a bien dit que nous avions en chaïtan un ennemi déclaré. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a oublié euh, qu'on avait un ennemi déclaré. Et cet ennemi, il a euh, des méthodes euh, très faciles à repérer dans le sens où il utilise toujours les mêmes méthodes, sauf que nous, on oublie c'est le principe de l'être humain. Et sa ces méthode c'est infiltration, entre autres, hein, on va en voir peut-être d'autres si on a l'occasion ce soir. Infiltration, manipulation, illusion et inversion. Infiltration, bah, rappelez-vous du ver dans le fruit euh, par lequel j'ai commencé un peu mon propos peut-être avec des images choquantes. Manipulation, bah, on grignote le fruit de l'intérieur. L'église aujourd'hui n'est plus l'église d'hier, on va en voir, on va en, on va en, on va le voir, on va en parler. Illusion, on fait tout ce qui ressemble à, mais ce n'est plus. Inversion, ça ressemble à un bon fruit à l'extérieur, mais l'intérieur est pourri et vidé de son sens, de son essence. Et puis, on, donc inversion, c'est aussi inversion du sens donné au mot. Liberté, égalité, fraternité. Tout n'est qu'apparence. C'est une devise d'ailleurs inventée par les francs-maçons on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi ce soir. Une liberté, certes, mais laquelle Seulement du vice. Un droit, certes, mais lequel Le droit à la corruption. Par le passé, euh, je ne sais même pas si on m'entend toujours. On peut très bien, mon chéri. Par le passé, on savait davantage plus largement reconnaître la lumière des ténèbres. On avait plus de discernement et encore suffisamment de clairvoyance pour distinguer le vrai du faux L'utile de l'inutile, l'essentiel du superficiel. Mais petit à petit, par plein de procédés, d'accord, on a déserté notre discernement et euh, on n'a plus su faire preuve de clairvoyance. Euh, on, on, si on savait donc. Euh, euh, on savait reconnaître plus facilement la lumière, on savait reconnaître les haillettes, les signes, on savait lire les signes, on était plus attentif aux signes. On cherchait à les interpréter et sur le chemin, on se rencontrait et on trouvait Dieu. Mais les amoureux des ténèbres vont comprendre que pour faire déménager un maximum de monde dans leur monde infernal des vices et des immondices, il faut attaquer le bien à la racine, en cherchant presque à manipuler notre ADN fitnatique s'il le faut infiltré pour mieux manipuler dans l'intérieur en ayant montré de fausses pattes blanches d'hommes de foi ou d'hommes de science. Euh, manipulation. Donc infiltrer, ça va très loin. Euh, là, j'ai pas euh, la possibilité parce que ça va, ça va être bon. C'est pas le moment. Ça va, ça va nous prendre trop de temps. Mais voilà, l'infiltration va très très loin. Euh, manipulation. Non, je vais en parler. Tiens, je vais en parler parce que euh, euh, c'est important de voir que l'infiltration n'est pas que dans le monde de, de l'Église, mais que l'infiltration, elle, elle est aussi euh, dans le monde de, de l'islam. Vous avez dernièrement euh, un euh, C'est sorti dans, dans le journal, un homme qui a été euh, arrêté, qui euh, était euh, un enseignant euh, de Coran, euh, qui euh, avait euh, maîtrisé la langue arabe en pensant euh, qu'il était euh, donc, libyen. Eh bien, euh, cet homme-là n'est en réalité pas du tout libyen. Il est rentré, donc il a réussi petit à petit à gravir les échelons parce qu'il était. Euh, pratiquant de la langue arabe à merveille puisqu'il était aussi il avait appris le coran par cœur et qu'il était euh, très bon orateur, il a petit à petit manipulé euh, ses oies et dans les mosquées, il a commencé à créer en Libye euh, des petits groupes euh, armés qui vont commencer à créer euh, du zibil, euh, de la zizanie, de la fitna euh, et euh, plus tard donc il va être arrêté donc c'est sorti dans le journal et euh, ils vont s'apercevoir que sa vraie identité euh, n'était pas un homme musulman, mais que euh, c'était un membre euh, du Mossad. Donc, infiltration, ça a toujours existé. Le but, donc, quand il a témoigné, c'était de créer la zizanie et de créer le désordre dans le pays, avec tout ce qu'on connaît euh, géopolitiquement, les conséquences que ça a eues et que ça a. Manipulation, une fois au pouvoir, acquis dans le cercle vertueux. Comme je viens de le dire, il avait acquis un certain pouvoir dans cette instance religieuse et petit à petit dans les instances. Et ça prend du temps, hein, c'est-à-dire que cette infiltration, il ne compte pas les années, il ne compte pas les, euh, euh, le temps consacré à. Vous vous rendez compte que euh, ces personnes-là ont eu quand même le temps d'apprendre le Coran en entier. C'est vous dire euh, la diabologie euh, qu'ils peuvent avoir et comme quoi, euh, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Manipulation, une fois au pouvoir acquis dans le cercle de dieux, je, je manipule et je détourne l'attention. Illusion, Illusion. Euh, je fais des tours de passe-passe, je souffle euh, et le chaud et le froid afin que l'on ne sache plus pour qui et sur quoi euh, je bosse réellement. Inversion, j'inverse le système de valeurs et je joue sur les mots. L'éducation nationale, la protection de l'enfance, les forces de l'ordre ne voulant plus dire que l'inverse. Les amoureux des ténèbres... Aussi utiliser la méthode de l'isolement, isoler les individus et diviser, et ôter donc tout sentiment de charaf, d'honneur, de fierté, de force et d'appartenance à une famille, à une religion, à un groupe, à un cercle. Parce qu'on le sait, euh, Hadith Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, les âmes sont des soldats regroupés. Hein Dans Hadith Nabi, ceux d'entre eux qui se connaissent justement en Amandie, ceux d'entre eux qui s'ignorent vivent en discordance. Les âmes sont des soldats regroupés, une âme seule est une âme qui est, est plus à la merci des ténèbres et donc plus faible. Et donc, je vais diviser pour mieux pouvoir atteindre les âmes euh, dans leur individualité. Le prince des ténèbres et ses sbires vont chercher à ôter chez l'être humain sa capacité à raisonner et son potentiel discernement, en le manipulant de quelle façon Hadith Nabi encore, hein, comme je vous l'ai dit, je vous apprends pas euh, des choses nouvelles, mais euh, j'essaie de euh, rappeler euh, ce qui se répète dans l'histoire. Euh, eh bien, en manipulant quoi Son ventre et son bas-ventre. Tout simplement... Son ventre et son bas-ventre, en maquillant la vérité, en faisant diversion, et en le divertissant et en le rendant dépendant de tout ce qui va rentrer dans son ventre et de tout ce qui pourrait euh, euh, l'attirer euh, dans son bas-ventre. Et il suffit de regarder le contenu des télévisions. Hein, télévision c'est une vision qu'on veut euh, te faire avoir. Euh, le ventre, le sexe, le mensonge, les faux débats et l'excitation des foules par leurs bas instincts, l'humiliation. Et voilà euh, le contenu. C'est vraiment flagrant comment euh, le professeur nous a dit méfiez-vous de ce qui rentre dans vos bouches et aussi euh, de comment vous allez utiliser votre bas-ventre parce que c'est là euh, vos talons d'Achille euh, euh, et donc euh, ces euh, sbires là vont euh, euh, utiliser cette méthode là en ôtant dans l'être humain tous ces, tous ces, en, en lui ôtant donc chez l'être humain tous ses grands idéaux, son espoir et en le rendant comme bestial parce qu'ils ils auront excité en eux euh, ces instincts primaires. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ben, Petit à petit, l'être humain va finir par oublier les dangers de l'obscurité et des ténèbres, et il ne va faire plus preuve de vigilance. Comment on évite l'infiltration en restant vigilant Comment on évite la manipulation en restant vigilant Comment, on, vigilant sur les mots, vigilant euh, on évite euh, l'inversion, vigilance. Comment? Voyez, euh, on évite l'illusion, vigilance. Donc, l'être humain petit, petit à petit va euh, finir par oublier les dangers de l'obscurité et des ténèbres et il ne va plus faire preuve de vigilance et il va te dire, mais Myriam », en parlant, en s'adressant à moi parce que j'ai eu ces messages là, Halloween, c'est rien, tu nous saoules, arrête, tu vois le mal partout et j'ai des sœurs en Dieu qui m'ont écrit en, en, quand j'avais fait le message sur Attention Halloween, euh, c'est pas notre délire et euh, on va pas fêter la fête de l'aide de shaitan, euh, eh bien j'ai des sœurs un peu qui m'ont qui, qui euh, parlé en disant « m'arrête, arrête, euh, t'exagères ». Alors je sais pas si c'est moi qui vois le mal partout ou si c'est toi qui vois plus le mal nulle part. Et j'ai l'impression que c'est plus ça. Alors une fois cet état euh, d'insouciance régnant euh, établi et mondialisé, parce qu'ils ont fait plusieurs tentatives tout au long de l'histoire pour voir si on était bien endormi. Vous savez, comme un médecin qui, avant de vous opérer, vérifie que l'anesthésie a bien fonctionné. Savez, il va te donner un petit coup sur le genou en provoquant des zones sensibles qui sont censées vous faire réagir. Et si réaction, eh bien, on remet une dose, ça veut dire que tu n'es pas assez endormi. Mais s'il n'y si a pas de réaction, alors c'est OK, le patient, conclusion pour lui, le patient dort suffisamment. Je peux opérer librement, sans risque, je ne risque plus qu'il se réveille, vu la dose de morphine, hein, morphine que je lui ai euh, administrée. Et c'est précisément l'état dans lequel nous sommes, j'ai envie de dire, presque nous étions, j'espère, car le réveil, je le sens, euh, je le vois, il est dur, hein, ce réveil. Euh, on va dire, nous étions, et, et on va dire, nous sommes encore pour beaucoup sous-sédatifs, endormis, manipulés, esclavagés. Enchaînés par les, des chaînes de nos propres dépendances, euh, de... insouciants, et on était, on n'était plus attentif à tout ce qui euh, se passait vraiment et réellement. On vivait dans une sorte de fiction, dans le monde des méta. On réfléchissait plus par nous-mêmes, et donc on ne voyait plus, euh, on ne voit plus le danger ni le mal se propager dans la vraie vie. Eh bien, le grand tournant auquel on assiste euh, ces 20 dernières années, euh, nous sachant endormis et anesthésiés. Ou alors se pensant arrogant euh, dans la toute-puissance de pouvoir aujourd'hui marcher à découvert, les acteurs des ténèbres peuvent se permettre maintenant d'avancer à visage découvert sans avoir peur ni honte d'être démasqués ou d'être inquiétés, comme je viens de vous le montrer dans, dans le type des photos, mais il y en a plein, j'ai évité de, de vous montrer. Pire encore, ils nous narguent avec leurs signes, leurs symbolismes, leurs discours alambiqués. Ils s'envoient des signes, des signaux en mode toi aussi, tu fais partie de ma, de ma team. Ils normalisent leur existence et leur influence de plus en plus claire. Ils s'allient, ils s'associent et, se et se sentent être les rois euh, du monde. Euh, parce que euh, euh, leur point faible à ces gens-là, c'est l'image. Hein. D'ailleurs, ils ont utilisé l'image, mais c'est leur point faible à eux. Hein. Ils aiment se montrer, ils aiment briller. Euh, alors leurs loi démoniaque prévalent euh, selon eux sur les lois de la lumière aujourd'hui sur Terre, alors ils se sentent dans ce sentiment de toute puissance comme si rien ni personne ne pouvait plus les arrêter euh, et ils réalisent à la vue de tout le monde leurs objectifs et ils cochent l'une après l'autre les étapes de leur agenda, euh, comme leur fameux agenda 2030. Qu'en est-il euh, de la première partie euh, de mon titre donc l'histoire qui se répète? Eh bien, euh, je, je vais parler aussi bien de l'histoire profane que de l'histoire spirituelle du monde, d'accord J'ai parlé de l'histoire spirituelle par rapport à l'existence de Shaitan en tant qu'ennemi, et puis aussi de l'histoire profane, parce qu'en réalité tout est lié. Euh, pourquoi on peut dire d'une certaine mesure que l'histoire se répète Eh bien, car l'histoire est faite par l'homme et ses défauts. L'état inhérent à l'homme, comme la convoitise, l'intolérance, le sectarisme, eh bien c'est toujours les mêmes causes qui reproduisent les mêmes effets. Sauf que les mots, peut-être, vont changer. Par exemple, avant, on disait, euh, c'était ce qui était dit à, à la télé, hein, un clochard est mort de froid. Aujourd'hui, on dit un SDF, un SDF c'est éteint euh, d'hypothermie. L'histoire se répète avec des mots différents, moins peut-être impactants, mais elle se répète. L'histoire se répète et en se répétant, elle se répète vers le pire. Elle enfonce l'humanité vers ce qu'il y a de plus bas et plus vil et j'espère que vous allez comprendre pourquoi et comment. Avant, euh, donc comme je vous ai dit, je vais parler aussi bien d'histoire euh, en tant que euh, dans notre spiritualité, mais aussi bien l'histoire donc euh, comme nous la vivons hein, et, et, et l'actualité. Euh, avant, euh, il était question euh, du front national, le FN, qui n'avait pas le droit, qui n'avait pas de droit de mention sans être euh, à l'époque il euh, n'y a pas si longtemps, hein, parce que je l'ai vécu. Alors, je sais que j'ai vieilli, mais quand même, pas, ça date pas de main Donc, euh, Avant, il était question, quand il était question du Front nat National, il n'avait pas le droit de mention sans être insulté ou discrédité par la majorité des Français, même si certains ont pu, dans leur hypocrisie, ne pas avouer, mais je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, le, le FN s'appelle Rassemblement. Et il paraît que ça change tout. Hein. Je vous ai dit, on joue sur les mots, et les mots changent, mais les histoires se répètent ce nom euh, front national est porteur d'une histoire épique et, et glorieuse hein, que personne ne doit renier mais vous le savez il est pour beaucoup de, de français euh, un frein euh, psychologique et c'est pas moi qui dis ça mais c'est marine le pen qui en 2018 euh, euh, disait ben, on va l'appeler euh, rassemblement euh, euh, et plus euh, front national parce que euh, voilà euh, euh, ce nom a, a une histoire et euh, les français ne l'aiment plus cette histoire alors on va changer de nom alors que euh, jean-marie le pen jean-marie le père criait à la trahison il a même dit je condamne les inspirateurs comme les exécutants je condamne les inspirateurs comme les exécutants euh, Rappelez-vous les mots que j'ai cités, hein, toujours les mêmes méthodes d'Iblis, même dans les cercles vicieux. Conspiration, infiltration, manipulation, une bonne dose de flou, illusion, mascarade, polémique stérile de façade et inversion des buts. Pour Madame Le Pen, ce nouveau nom devait exprimer. La volonté de rassemblement de la formation à l'heure où l'immense majorité des Français aspirerait à la réunion de toutes les énergies, ce nom doit être un cri de, ré... de ralliement, un appel à les rejoindre, nous dira-t-elle. Un changement de nom qui n'est pas anodin, parce que ce changement de nom, cinq ans après, en 2023, va permettre une manifestation auprès de ceux qui luttent contre l'antisémitisme alors que les débuts du parti n'auraient jamais laissé présager un tel avenir. Lors de sa fondation, le premier bureau politique du FN était notamment composé de François Brignot qui euh, s'était engagé dans la ministre du gouvernement de Vichy en 44, ou de Pierre Bousquet qui s'était engagé euh, volontaire dans la division de Charlemagne qui euh, regroupait des euh, DSS français. Et il aura fallu pas plus de 50 ans de banalisation du mal et de l'extrême droite. Euh, pour chercher à l'amener, petit à petit au pouvoir, partout en Europe, on le voit bien, hein, en laissant la part belle à son discours dans les médias, et vous le constatez et le constaterez tous les jours jusqu'aux prochaines élections. Et en vérité, il n'y a rien d'étonnant dans cette manifestation et il n'y a rien d'étonnant euh, dans ce rapprochement euh, qui n'était d'ailleurs pas euh, une manifestation contre euh, seulement l'antisémitisme euh, qui était pour moi l'appel de façade, mais c'était une manifestation pour soutenir la politique du sionisme, sinon pourquoi cet acharnement à nous dire que si l'on est euh, anti-sioniste, on est forcément antisémite selon eux. A contrario, je pose alors la question si l'on n'est pas antisémite, alors est-ce être de facto euh, pro-sioniste Alors comment expliquez-vous l'existence, on le verra ce soir, de juifs sémites anti-sionistes, anti-sionistes Et là tout fait sens. Ce qui pourrait sembler s'opposer ne s'oppose pas, mais se rassemble car le sionisme est une idéologie avant tout raciste qui n'a rien de religieux. Et les racismes se comprennent et qui se rassemblent, ici, s'assemblent. Et chacun y trouvant son intérêt, et c'est de ce, écoutez, c'est très important ce que je veux dire, et c'est de ce type d'alliance qui prône l'élitisme hiérarchique des peuples et la préférence nationale dont il faudra... Se méfier et dénoncer. Et Allah subhanahu wa ta'ala de nous le dire dans la surah al Maida encore au verset 42. Vous voyez comment les versets se répondent. lil <laughs> وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين Ils sont attentifs euh, aux mensonges et euh, voraces de gains illicites S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui euh, jugent équitablement. Alors, je m'excuse parce que je n'ai pas la possibilité de lire euh, euh, ce que vous mettez sur le côté. Donc, je prendrai un temps à la fin du rappel pour essayer ça et là de euh, inchallah, euh, prendre... Euh, les, 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 les sujets que vous avez abordés, quand c'est des questions, j'essaierai d'y répondre euh, quand j'ai la réponse. Euh, et puis euh, voilà. Je, mais pour l'instant, je suis désolée, je ne peux pas euh, répondre à, à tout le monde, Inshallah. On va euh, toujours dans euh, Sourat al maida au verset euh, 80. Bismillah. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Tu vois beaucoup d'entre eux certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils s'éterniront. Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire « Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. <t> » <'in> Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Et se soutiennent, ils se soutiennent et se couvrent dans leurs péchés, dans leurs euh, immondices, parfois dans leur pédophilie et compagnie. Et Allah a de nous dire.

en fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Et à Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ceux qui s'y trouvent entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Le fameux type d'alliance ici expliqué qui prône justement l'élitisme hiérarchique des peuples et la préférence nationale dont il faudra se méfier et dénoncer. Attention, il n'est pas question... Euh, ici pour Dieu de tous les juifs et les chrétiens car plus tard dans les versets, on va en parler Dieu parlera de ceux qui suivent leur prophètes et sont sincères, honnêtes et justes mais il est question ici de ceux qui au nom de leur idéologie et de préférence religieuse et ou nationale se placent au-dessus du droit international et de la morale universelle il y a toujours eu depuis la nuit des temps des personnes qui se sont crues supérieures en sang en couleur et en droit l existence de shaitan oblige et quand l'histoire se répète justement, être et faire la différence va consister à lutter et à ne pas se laisser influencer par ce type d'idéologie suprémaciste et ce comportement colonialiste. Comment, me direz-vous, sommes-nous concernés et en quoi nous sommes concernés En ne distinguant plus nos dénonciations et nos luttes en fonction de leur distance ou de leur appartenance, mais en dénonçant et en se battant contre toutes les injustices et être autant offusqués et sur le pont des luttes pour tous les humains et non pas pour ceux qui nous ressemblent en couleur en religion ou en langue. Allah de nous dire au verset 32 de la sourate Al-Maïda. Min ala أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاء. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il si avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme si... Il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec l'épreuve et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. Ici, dans ce verset précisément, ce qui euh, peut euh, attirer notre attention, c'est c'est le pourquoi qu'il est important de souligner dans ce fameux verset de sourate al meïda le verset 32. Euh, le fait que vous vous considérez comme les fils de Dieu et/ou les préférés, les élus, ce va, cela va induire le fait qu'en conséquence, au nom de cette préférence divine ou sanguine, vous allez justifier un pourquoi en commettant le pire des actions. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire est une série de parce que, parce que il y a des gens qui vont les justifier avec leur pourquoi. Et Dieu dans la solitude entre le moment où il parle. Qu'ils s'annoncent être les meilleurs au verset 18, ce à quoi Dieu leur répond dans le même verset. Et pourtant, je vous châtie si vous étiez vraiment les privilégiés. Comment se fait-il que vous encouriez quand même mon courroux Puis, je viens de citer donc le verset 32 que notre sœur nous a récité, dans lequel Allah fait mention précisément de la gravité, donc soulignée par Dieu, de tuer un homme. C'est comme si tu avais tué l'humanité tout entière. Et entre euh, le verset 18 et le verset 32. Il y a quoi en fait Dieu, il va nous parler de quoi entre euh, ces deux euh, versets qui se répondent Eh bien, Dieu Allah fait mention de l'épisode de Abel et de Kaïn. L'un va se croire meilleur que l'autre. alayhim <messant> Adam L'un va se croire meilleur que l'autre pensant son offrande meilleure que l'autre, l'un voulant épouser la meilleure des deux, et l'un va tuer l'autre au nom de sa préférence et de sa jalousie maladive. Et que va dire son frère? Solat 5, toujours verset 28. اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين Qu'est-ce qu'il va lui dire Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer car je crains Allah le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché, alors tu seras du nombre des gens du feu, telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère, il le tuait donc et, revint ainsi du nombre des, et devint ainsi du nombre des euh, perdants. Les tueries ne cesseront pas sur terre, l'histoire se répète, tant que les égaux n'auront pas été individuellement réformés et maîtrisés. On connaît très bien « la anfusihim ». Dans une interview, Pascal Boniface euh, interroge euh, l'auteur Shlomo Sand, qui est un historien israélien, sur les raisons de l'écriture de son livre qui a pour titre Comment, euh, qui est sorti en 2013, Comment j'ai cessé d'être juif, un regard israélien. Deux points, un regard israélien. Il dit, je cite, J'ai conscience de vivre dans l'une des sociétés les plus racistes du monde occidental. Et pour illustrer son propos, il citera deux exemples que je vais moi-même donc citer ce soir. Deux points. Le maire de Haute-Nazareth a déclaré qu'il ferait n'importe quoi pour empêcher les Arabes citoyens israéliens de vivre dans sa ville. Il va notamment empêcher la construction d'un lycée arabe à Haute-Nazareth. Je ne crois pas qu'un maire en France, je continue à le citer, hein, je ne crois pas qu'un maire en France pourrait déclarer de telles choses et rester dans ses fonctions. Il y a certainement des maires français racistes, mais je crois que les systèmes judiciaires auraient pu réagir. Or, en Israël, personne n'a vraiment réagi, à l'exception du journal Aretz. Le maire a ouvertement dit qu'il allait judaïser sa propre ville et garder les indigènes en dehors. Je crois que même Marine Le Pen ne pourrait pas déclarer une chose pareille, dit il. Deuxième exemple qu'il cite. Le rabbinat de l'armée israélienne a donné une série de déclarations de foi qu'un rabbin peut déclarer de temps en temps. Il y avait une phrase dans cette publication officielle, le droit des goïs en Israël ne peut pas être comparé au droit des Juifs. Alors, comment se fait-il que certains continuent de chanter à tue tête qu'Israël est la seule démocratie irréprochable du Moyen-Orient La seule raison qui peut sembler logique, c'est que ceux qui répètent cela. Qu il s'agit de, euh, de gens qui soutiennent les politiques d'apartheid et qui soutiendront toutes euh, les courants, euh, comme le Rassemblement National, lors des prochaines élections pour assouvir leur, leur plaisir euh, suprémacistes. Et Allah de nous dire toujours dans la sourate al-Maïda au verset 43. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec la Torah dans laquelle avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Shlomo Sand a donné deux exemples, mais dit-il, il aurait pu aussi parler des lois constitutionnelles qui définissent son État non pas comme une république israélienne, mais comme un État juif, alors même que 25% des habitants ne sont pas juifs. Et tout le monde accepte ces lois. Ce sont toutes ces choses qui lui font dire qu'actuellement Israël est une des sociétés les plus racistes dans le monde occidental. C'est aussi pour cela qu'il dit qu'Israël est une ethnocratie sioniste plutôt que théocratie rabbinite. Il insiste car beaucoup de gens se trompent et pensent que toute cette problématique à propos de la politique identitaire en Israël vient du rabbinat, du fait qu'Israël est une théocratie rabbinite. Non, Israël est une ethnocratie nationale avec des composants racistes publics. L'imam al tirmidhi et beaucoup d'autres rapportent que le prophète alayhi wa sallam, a dit Les juifs se sont divisés en 61, 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Eh bien, Sachez qu'il euh, est prouvé historiquement, politiquement, spirituellement qu'il existe au sein même de la judéité, de la chrétienté, des, troupes, des groupes qui s'opposent et se combattent idéologiquement et pas que. Euh et Allah va faire ses précisions dans, dans, dans le Coran il ne va pas dire euh, il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens et disent nous avons nous avions entendu mais nous avons désobéi hein? et donc euh, euh, ils sont plutôt oui voilà donc ils sont plutôt partie prenante de la coalition des forces du mal ils ne sont plus

وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا والقينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها Toutes les fois, Allah dit qu'ils allument un feu pour la terre. Pardon, toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint et il s'efforce de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Vous avez bien sûr des juifs qui sont anti-sionistes et qui, de nos jours, courageusement osent défiler pour dénoncer le terrorisme euh, de guerre de l'état sioniste et qui se désavouent euh, de tous ces types d'agissements. Donc, attention de bien comprendre et de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, car en réalité, euh, ce dont nous parlons, non de la GDI ou de la chrétienté que l'origine, Wama Et on va euh, juste regarder donc cette vidéo, Inch'Allah, qui est euh, très parlante, qui nous montre qu'il y a. Euh, des hommes et des femmes euh, courageuses qui osent euh, dénoncer tout ça Nous enfin, sommes à Mea l'un des quartiers les plus religieux et les plus fermés d'Israël L'enclave abrite un peu moins de 10 000 personnes et obéit à ses propres règles Ses habitants semblent s'être figés dans le temps Seules les lois de la Torah régissent leur vie quotidienne Lorsque l'on se promène à Mea Shearim certains détails interpellent Sur les murs, nombreux sont les petits panneaux affichant des drapeaux palestiniens ou des slogans antisionistes c'est l'œuvre des Karta, une communauté de 10 000 familles en Israël, dont 700 se trouvent à Meah Shearim. Ils prétendent ne pas s'intéresser à la politique. Ils sont pourtant farouchement opposés à l'existence de l'État d'Israël. Voici le rabbin Meir Hirsch, qui dirige cette communauté et ne s'exprime jamais devant une caméra, sauf aujourd'hui où il nous a ouvert les portes de sa maison. Le mouvement Neturei karta est apolitique et se revendique foncièrement anti-Sioniste. Il a été créé en 1935 par mon père. La base du mouvement, c'est d'être anti-Sioniste. karta signifie gardien de la cité en araméen. Le groupe est né de la scission avec le parti religieux Agudat Israël, aujourd'hui ennemi déclaré. Ces participants appellent au démantèlement de l'état d'Israël et rejettent tout ce qui s'y rattache allocation, sécurité sociale, papiers d'identité, armée ou encore élection. Il y a des choses que nous sommes quand même obligés de payer, l'électricité et l'eau. Mais à part ça, l'éducation, les aides au logement, la famille, on ne prend rien. Quand nous devons nous rendre à l'hôpital, nous payons la consultation qui est très chère parce que nous n'avons aucune assurance. Au rez-de-chaussée de, de l'immeuble, une famille de 20 personnes se tasse dans deux pièces et prépare un déjeuner de fête, la circoncision d'un enfant éthiopien proche de la communauté. Tous les soirs, les parents déploient les matelas entreposés dans une cave. Le mouvement se distingue par un fort activisme, conférences dans les universités, participation à des manifestations contre Israël et de nombreuses rencontres avec les opposants de l'État hébreu. Les Netouraïkarta sont connus pour leurs actions coup de poing et leurs liens avec des groupes antisionistes. Ah, nous sommes proches du mouvement BDS mondial pour boycotter certains produits. Le BDS ne s'oppose pas à tous les produits israéliens, mais à ceux qui sont faits dans les implantations sur des territoires occupés. Nous entretenons aussi des relations avec le Hamas. Nous avons visité plusieurs fois Gaza en passant par l'Égypte. Comme nous sommes un groupe apolitique, nous arrivons à discuter avec tout le monde, Hamas, Hezbollah, gouvernement iranien. Toutes ces rencontres n'ont qu'un seul but témoigner son soutien au monde musulman et rappeler que le judaïsme et le sionisme sont deux concepts différents. Quand les dirigeants sionistes arrivent à l'ONU, ils viennent avec un verset de la Torah qui dit que Dieu a promis la terre d'Israël aux Juifs, à Abraham et ses descendants. Mais le problème, c'est que la Torah est jetée aux ordures. Ils n'en font rien de la Torah, ils se servent uniquement d'un verset qui leur est utile. Et de tenir des propos beaucoup plus graves, comme comparer Israël aux nazis. Le rabbin Hirsch évoque une collaboration entre sionistes et nazis, des allégations qui justifient son farouche antisionisme, en plus d'une interprétation du livre sacré. Les juifs ne peuvent pas accélérer la rédemption. Nous n'avons pas ce pouvoir. Rashi, le commentateur du Talmud, a écrit qu'il ne fallait pas trop prier pour la rédemption, puisque c'est vain. Toute création d'un État juif ne respecterait donc pas la volonté divine. Seul le Messie en est capable. Il faut donc attendre son retour. En attendant, l'ambition des écarta est de revenir à une cohabitation pacifique entre Juifs et musulmans et au pouvoir en place avant la création de l'État d'Israël. Les écarta sont particulièrement violents face à l'armée israélienne et des forces de l'ordre en général. À plusieurs reprises, des effigies de soldats ont été pendues ou brûlées dans le quartier de Mea Shearim.

S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Toujours sur la Talmada au verset 44, on continue toujours Allah de nous dire, il y a tout dans le Coran. Pour comprendre l'histoire, il y a vraiment tout dans le Coran. Vous n'allez plus lire le Coran si vous étudiez l'histoire de la même façon. Bismillah.

C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs, car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà, euh, les mécréants. Et Allah de poursuivre au verset 68. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التوراة حتى وَمَا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Dis aux gens du livre vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Aïa, ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Donc on comprend ici... Et j'espère que vous l'avez compris et bien saisi mon propos. Il n'est pas question euh, de juifs ou de chrétiens qui seraient restés fidèles à leur foi et à leur loi, mais il s'agit d'une catégorie qui vont vouloir mélanger l'ésotérisme, la sorcellerie, la numérologie, l'idolâtrie par le biais de la cabale ou autre. Hein. Et ils vont se fourvoyer en se pensant supérieurs. Et au nom de ce sentiment de supériorité, de pouvoir en pouvoir et d'arrogance, ils vont faire les pires actes. Et ils ne sont plus croyants, ils n'en ont que l'origine euh, ou le nom et Allah subhanahu wa ta'ala de nous dire nous nous sommes adressés aux enfants d'Israël dans l'écriture de la surah donc ben Israël la surah 17 al-Isra vous commettrez des graves péchés sur terre par deux fois vous êtes destinés à chuter dans de hauts sommets d'arrogance wa la

Invoquerez-vous Baal, une idole, hein, euh, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs Car oui, en réalité, cette tariqa diabolique euh, existe. Et c'est précisément celle qui sème les pires des exactions sur Terre en s'alliant à une catégorie de chrétiens qui, eux aussi, euh, adurent, euh, adulent et adorent les mêmes euh, créatures, euh, qui n'en sont plus hein, ni des chrétiens ni des juifs. Et, et c'est pourquoi j'ai commencé ça au début euh, du rappel. Et, euh, et, euh, et pour précision, comme je vous l'ai dit, c'est euh, utilisation, inversion, illusion. Le signe qu'ils emploient, on, leur, on lui fait dire que ça veut dire euh, en, dans la langue des signes, je t'aime ou euh, merci ou plein de choses comme ça. Et euh, en réalité, il ne s'agit que du, du signe euh, pour dire on adore euh, le même Dieu, Lucifer. Euh, le pape, l'ancien pape. Parce que c'est important de comprendre qu'il y a eu un avant, un après, et qu'il y a eu justement une infiltration, et que le verre est rentré euh, dans, euh, dans le fruit. Le pape Clément XII dénonçait déjà en ces termes en 1738, juste avant la révolution 1789, précision très importante, et je vous laisserai lire si le sujet vous intéresse, le rôle de la franc-maçonnerie durant la dite période. Donc voici donc ce que euh, disait le pape de l'époque, donc 1738, euh, au sujet de, de cette secte de la franc-maçonnerie ou d'autres associations similaires qui se font ces coopératrices et ses satellites, hein, parce que euh, c'est tentaculaire. Je cite euh, des hommes, donc je cite le pape euh, Clément XII, des hommes de toute religion et toute secte se lient. Je vous, vous rappelle ce que je vous ai dit de l'alliance de l'axe du mal, des hommes de toutes religions et toute secte se lient l'un à l'autre par un pacte aussi étroit qu'impénétrable selon les lois et des statuts qu'ils ont créés qu créé eux-mêmes, et s'obligent par un serment prêté sur la Bible, et sous de graves peines, à cacher dans un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. Les fauteurs du mal, toujours je, je le cite, hein, le, donc ce, ce fameux pape euh, Clément XII. D'ailleurs, tous ceux qui euh, le suivent actuellement sont considérés comme des chrétiens intégristes hein, par le, euh, le reste de, de la chrétienté, bien sûr. Tout comme euh, euh, les juifs que nous venons de voir sont considérés comme les ultra orthodoxes. Et là, ceux qui suivent ce type de, de prêtres sont les ultra catholiques. Euh, donc il cite les fauteurs Je le cite Les fauteurs du mal paraissent s'être paraissent coalisés dans un immense effort sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandu en un grand nombre de lieux et fortement organisé, la société des francs-maçons. Ceux-ci ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables au Sauveur. Dans leur vigilante sollicitude pour le salut du peuple chrétien, nos prédécesseurs eurent bien vite reconnu cet ennemi capital, capital au moment où, sortant des ténèbres d'une conspiration occulte, ils sortent donc de ténèbres d'une conspiration occulte, il s'est lancé à l'assaut en plein jour. Le complot qui s'affiche désormais en plein jour n'est donc pas né avec la franc-maçonnerie spéculative, il lui préexistait, car selon lui, celui qui préexiste à tout cela, c'est le diable. Le pape, le, le pape poursuit, sachant ce qu'il était et lisant pour ainsi dire dans l'avenir, euh, il, ses prédécesseurs, donnèrent au prince et au peuple le signal d'alarme et les mirent en garde. Et c'est ce que j'ai expliqué dans le fait qu'il s'envoie des signaux. Nous avons affaire à un ennemi rusé. Donc je continue de, de citer ce que dit le pape. Euh, nous avons, donc le, Clément XII de 1739, 38, pardon. nous avons affaire à un ennemi rusé et fécond. En artifice, il excelle à chatouiller agréablement les oreilles des princes et des peuples. Il a su prendre les uns et les autres par la douceur de ses maximes et l'appât de ses flatteries. Les princes Point d'interrogation. Les francs-maçons se sont insinués dans leur faveur sous le masque de l'amitié pour faire d'eux des alliés et de puissances auxiliaires. Ils cherchent à faire croire que la doctrine chrétienne est incompatible avec le bien de l'État parce qu'ils veulent fonder l'État non sur la solidité des vertus mais sur l'impunité des vices. Si tout cela était mieux connu, princes et peuples feraient preuve de sagesse politique et agiraient conformément aux exigences du salut général en s'unissant à l'Église pour résister aux attaques des francs-maçons au lieu de s'unir aux francs-maçons pour combattre l'Église. Donc là, on, on voit bien qu'il y, euh, y a eu un glissement, l'infiltration. Eu, euh, avant, c'était dans euh, caché et maintenant, c'est euh, euh, aux yeux de tout le monde. Et on va même célébrer les 250 ans euh, de certaines loges. Le mal paraît protéiforme, mais en réalité, euh, il ramène à la même essence diabolique. Donc, on voit que le mal est un peu partout, vous voyez, qu'il a plusieurs formes, mais en réalité, euh, euh, il, il va cumuler tous les maux du passé, mais il, il remonte, quand tu remontes, à la même essence euh, diabolique. Écoutons ce qu'Allah euh, continue de nous dire dans la Soulat al-Maïda au verset 63. Donc, c'est le verset. Si soit... Allah interroge et dit Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne, se... ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites que leurs actions sont donc mauvaises Continue Allah de nous dire au verset 46 Toujours de la même sourate C'est pas grave si on trouve pas aussi hein وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواء عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. <t imé> <t imé> Par contre, je pense qu'on n'a pas lu le verset 46, à moins que j'ai mal entendu. Euh, 46 à 48, à a petit. Tu l'as lu 46, ah excuse-moi, j'ai entendu que 47, donc ça savais dû couper. Excuse-moi. Oh, et nous avons envoyé après eux Reissa, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens... De... Je, hein? pense que je, je pense que je me suis trompée, oui. Effectivement, je n'ai pas lu 46. Il euh, n'y a, euh, a pas de souci, regarde, ce n'est pas grave, je le lis, je le lis en français. Oh, C'est moi qui m'excuse. Désolé. Il <laughs> n'y a pas de souci. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux. D'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrence, Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres, c'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors, il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Et dans au verset 51. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دَائِرًا فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Nous parlons bien sûr ici encore, euh, non pas de tous les juifs et de le chrétien, mais ceux qui se disent juifs et chrétiens, mais qui n'en ont que le nom. Et je parle donc de, cette fameuse, de ce fameux axe du mal de ceux qui se reconnaissent dans leur idéologie suprémaciste et euh, élitiste. Donc attention de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac, mais de bien comprendre de quelle alliance il est question, car au sein même de la judéité, au sein même de la chrétienté, ils les dénoncent, cet axe euh, du mal euh, euh, dont font partie donc, ces personnes qui ne sont plus de réels croyants de par l'infiltration dans leur dogme de shaitan et qui prônent une idéologie.

من من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون <ầnoring> Ceux qui se sont judaïsés, les sabiens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point euh, affligés. Au verset 70, Allah est de poursuivre. <muches>

وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون Certes, euh, nous avions déjà pris... Alors, là, tu as lu... Euh, oui, c'est ça. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël euh, et, et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur est venu avec ce qu'ils ne désirent pas, ils les traitèrent certains de menteurs et ils en tuèrent d'autres. Content qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux. Euh, ils étaient devenus aveugles et sourds, puis Allah a accueilli leur repentir, ensuite beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Entendez bien Contant qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds, puis Allah a accueilli leur repentir, ensuite beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. L'histoire se répète toutes les fois où l'on redevient aveugle et sourd. Lisez, mati, lisez, apprenez votre histoire et vous allez voir qu'à chaque fois, c'est les mêmes procédés, c'est la même désobéissance, c'est les mêmes procédés shaitaniques. Euh, et Allah de nous dire donc au verset 78. <inaudible> 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 Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche même de Daoud et de Isa, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Voilà ce que nous dit Allah. C'est pourquoi je vous dis que au sein même de la chrétienté et de la judéité, il dénonce ce groupe-là et ces groupes-là. Le prophète alayhi wa sallam, le plus cité dans le Coran est Moussa. Et par voie de conséquence, son peuple, les Banu Israël, il en est question. Et il est question, du. donc le peuple le plus cité dans le Coran, c'est bien les Banu Israël. Et c'est bien sûr pas un hasard. Plus, plus quelque chose est répété par Dieu, plus. Dieu insiste sur son importance et sa référence jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire que savoir euh, euh, le le Coran, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure au sujet de l'histoire, euh, l'histoire c'est pas une série de dates sur une frise chronologique, mais bien sûr qu'il y a des liens à faire entre les différents événements et il y a bien des fils conducteurs. Euh, et bien de, de la même façon, dans le Coran, euh, ce ne sont pas euh, une série d'histoires qui nous sont contées, mais il y a des liens à faire pour notre réalité actuelle et qui nous qui sont censés nous faire tirer des leçons de ce que l'on vit euh, et et euh, 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 et Allah a de nous le rappeler wa qadayna ila, bani ila, fil kitab ila fil ardi euh, donc euh, Allah nous dit que euh, vous, ils vont plusieurs fois euh, et notamment deux fois être destinés à chuter dans de hauts sommets euh, d'arrogance et, et commettre le pire sur terre la surah d'Al-Isra s'appelle aussi Banu Israël c'est une surah qui porte le nom du peuple de Moussa alayhi salam, et au total, on sait que 112 fois dans 27 surahs différentes, il est question de Moussa alayhi salam. La surah de la vache, dal l'on à chaque khidm, on redébute notre rythme par cette surah, porte aussi son nom en référence à une histoire qui s'est déroulée avec les Banu Israël Et... Euh, euh, et bien J'espère que je n'ai pas encore perdu trop de monde, trop de monde là, qu'il y a encore du monde qui, qui, qui est là et qui me suit. Sachez que donc dans la surah 2 au verset 72, euh, alors on va euh, l'écouter inshallah. Wa <t> qataltum nafsan <'en> fiha mukhrijun ma kuntum donc, dans ce verset-là, pour ta contribution, beaucoup quand vous aviez tué un homme, Allah de nous dire, et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimulez. Surah 2, verset 72. Euh, vous connaissez l'expression faire porter le, cha le chapeau. J'en parle dans mes livres, notamment Le Plan de Dieu. Cette expression, elle veut dire imputer à tort et rendre quelqu'un ou un organisme responsable de quelque chose de négatif pour ne pas avoir à rendre des comptes soi-même. Et au sujet de la référence à la Sourate al-Baqarah, d'après Saïd ibn Jubair, Abdullah ibn Abbas euh, nous explique et nous raconte, donc, dans les faits, et on va le rappeler ce soir parce que c'est important de comprendre euh, euh, ce qui existe euh, à un moment donné dans l'histoire, comment euh, la, les leçons se répètent. Il y avait donc deux villes parmi les Benou Israël, et une de ces villes, elle était entourée par des murs. Et il y avait des portes, euh, et donc, euh, le, tandis que l'autre, euh, il y avait une ville qui restait ouverte, et puis il y avait une ville qui, elle, était fermée avec des portes. Et au soir, les gens de la ville fermaient ces portes, et au matin, ben, ils se mettaient en haut des murs, et ils regardaient s'il s'était passé, si passé quelque chose aux alentours. Et un jour, il y a un matin, ils ont vu un vieil homme qui avait été tué et abandonné au pied de leur ville. Et euh, les habitants de la ville, euh, donc ouvertes sont venus, et ils ont dit « Est-ce que c'est vous qui avez tué notre compagnon et auprès du cadavre, il y avait euh, le neveu du défunt qui euh, se met à dire Vous avez tué mon oncle. Et euh, les autres répondent Par Allah, nous n'avons pas ouvert notre ville depuis qu'elle a été fermée et nous n'avons rien à voir avec le meurtre de votre compagnon. Ils sont donc allés voir Moussa pour statuer et Allah va lui révéler à Moussa. Euh, et lorsque Moussa va dire à son peuple Certes, Allah vous ordonne donc d'immoler une vache, d'où le nom de la surat, la vache. Benoît Israël vont lui dire Tu te moques de nous. Euh, sous-entendu c'est quoi le rapport entre la vache et ce qui vient de se passer Moussa alayhi salam dit je me réfugie auprès d'Allah pour ne pas être du nombre des ignorants ils vont dire demande pour nous euh, à ton seigneur qu'il nous précise euh, ce, qu euh, ce que la vache comment la vache doit être Moussa alayhi salam de répondre certes Allah dit que c'est une vache ni vieille ni jeune d'un âge moyen entre les deux faites donc ce que vous ce qu'on vous commande hein euh, et donc là, si vous voulez, t'as les prix qu'ils croyaient prendre, tu penses que c'est toi qui fais les règles du jeu en, en faisant, en retardant, en posant des questions, mais tu te trompes, tu crois diriger les opérations, mais tu ne diriges rien, tu veux te jouer des autres et gagner à ton petit jeu, mais en fait tu vas perdre, euh, et, et, et tu tues les propres, tes propres, euh, euh, les tiens, et tu fais porter le, le chapeau, ils dirent. Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise la couleur de la vache. Et Moussa, certes, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Ils lui disent Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. En vérité, pour nous, toutes les vaches se ressemblent, mais nous serions certainement bien orientés pour accéder à la vache qui doit vraiment être sacrifiée si Allah le veut. Moussa. Patiemment répond, certes, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre ni à arroser le champ, Un indemne d'infirmité et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité, sans blague. Et ils l'immolèrent alors, mais, Allah de précisé, il s'en est fallu de peu qu'ils ne l'eussent pas fait. Le prophète Moussa, avec sa patience inégalable de prophète, va à chaque fois consulter son seigneur et Allah, le tout-miséricordieux, dans son liste que j'explique dans le plan de Dieu, tome 1, ou tome 2, je ne sais plus, répond avec patience malgré leurs questions incessantes. Sous tome 1, normalement. Dieu les laisse lui montrer jusqu'où ils sont prêts à aller dans leurs mensonges et leurs perfidies et ils s'enfoncent encore plus bas dans leur bassesse et à ce petit jeu de questions-réponses qui fatigue, euh, ils vont perdre. Tu veux nous fatiguer c'est nous qui allons te fatiguer et tu finiras euh, par craquer, euh, et ils finiront par faire ce que Dieu voulait et avait prévu qu'ils fassent dès le départ, et allez, makrullah, quand on y croit le plan de Dieu. Euh, euh, donc avec une partie du corps de la vache, il devait toucher le corps de l'homme assassiné qui reviendra à la vie et qui dira que c'est précisément le, le neveu, son neveu, qui l'a assassiné pour récupérer son héritage et Allah de nous dire euh, وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللَّهُ اللَّهُ et ils les autres se mirent à comploter et Allah a fait échouer leur complot et c'est Allah qui sait le mieux leur euh, machination car le stratagème entier et final appartient à, à Dieu le stratagème entier et final appartient à Dieu le stratagème entier et final appartient à Dieu donc pourquoi ça rappeler là ce soir cette sourate euh, lavage et raconter cette histoire pourquoi en faire une référence coranique au point de faire de cette sourate la plus longue et la deuxième après sourate al-fatiha est-ce une histoire qui doit juste nous servir à être connue et racontée? Eh bien, sachez que cette référence n'est en rien anodine et bien sûr en rien anecdotique euh, euh, par rapport à l'histoire. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous euh, dissimuliez et l'histoire se répète. Euh, et voilà ce que cette soirée dénonce, le fait de faire porter le chapeau, le fait d'accuser à tort, le fait de masquer et maquiller la vérité, le fait de jouer sur les mots et le fait de négocier pour retarder euh, les jugements. Et encore une fois, je le répète, l'histoire se répète et ceux qui ont désobéi à Moussa, allez salam, ont aujourd'hui leurs descendants qui continuent le taf. L'histoire se répète, la vache au début du Coran et il y a aussi les vaches à la fin de temps. Si j'ai encore du monde ce soir, je vous laisse regarder cette vidéo. آه. بسم الله

O conselho é o salário!

il y a le cérémonial de la vache rousse, la para-adouma. Tout le monde ne comprend pas cette mitzvah, mais c'est une mitzvah très importante. Si on veut reconstruire le bête amikdash, si on, si on veut faire en sorte que demain, eh bien, il y ait le bête amikdash sur le mont du temple, il nous faut la vache rousse. Selon les prophéties, le retour de la vache rousse, c'est le début de la Géoula. Comment a commencé toute cette aventure des vaches rousses? Comment sont-elles arrivées ici? Ah, C'est toute une histoire. C'est grâce à une personne dont je ne peux pas citer le nom, malheureusement, parce qu'il veut rester dans euh, dans l'anonymat. Eh bien, il a mis une annonce dans des journaux de fermiers aux États-Unis, plus exactement au Texas, en cherchant... Parce que là-bas, il y a des troupeaux de vaches rousses. Eh bien, on a trouvé tout simplement des, des éleveurs qui nous ont dit « Venez, venez voir ici, si on peut nous aussi participer à la rédemption d'Israël. » Eh bien, on est prêt à le faire. Et voilà que les vaches sont arrivées ici. Ce que nous voyons comme paysage... Depuis cette ferme où se trouvent les vaches rousses, ce sont les monts de Gilad qui se trouvent aujourd'hui, malheureusement, en Jordanie. Mais vous savez que nous appelons Eliaou à Navi aussi Eliaou à Giladi parce qu'il est né dans ces montagnes du Gilad et c'est lui qui va annoncer la venue du Machiar et ça n'est certainement pas pour rien que les vaches se trouvent dans ce décor. Il y a environ six mois, une délégation restreinte d'Israelis Forever a pu assister à cet événement historique de l'arrivée des vaches rousses en Israël. Et je peux vous dire que nous avons ressenti la shrina qui était là, la Geula qui était là. C'était véritablement le début d'une nouvelle ère dans laquelle nous pouvons enfin penser à la construction du Beth Amudash et aux services euh, futurs dans le temple. Et nous étions il y a quelques jours sur le mont du temple pour euh, lever le drapeau d'Israël et chanter la tigva. Et ce sont, cela émane euh, des mêmes raisons. Nous sommes en train de préparer le terrain pour la construction du Beth Amigdash. Et qu'enfin, Mitzion Torah, que de Sion rayonne la Torah, nous avons aujourd'hui les moyens techniques, les moyens euh, spirituels pour reconstruire enfin notre temple et arriver vers la véritable Géoula. L'histoire se répète, la vache au début du Coran et il y a aussi les vaches à la fin des temps. Donc l'Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de, de l'islam euh, dans la vieille ville de Jérusalem, est aussi appelé le Mont du Temple pour les Juifs, le Saint des Saints juste au-dessus du mur des Lamentations, euh, là où se trouve la Mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, mais là aussi où ils disent que se trouve le deuxième temple de Salomon détruit en 70 par les Romains. Et en réalité, euh, pour l'instant, des recherches disent qu'il serait euh, en réalité euh, qu'il eût été plus en contrebas. Mais ceci étant, cela se revendique revendique le fait qu'il est euh, Précisément euh, sur le monde du temple. Et pour les juifs euh, les plus religieux, il faut reconstruire un temple pour préparer le retour du Messie. Euh, et euh, il s'agit de ceux qui sont dans, euh, comme je vous l'ai dit, l'accélération et ceux qui veulent faire appliquer euh, euh, et qui veulent intervenir sur le texte, comme l'a dit euh, si justement le rabbin dans la vidéo. Mais pour cela, euh, il faut purifier les prêtres de ce futur troisième temple. Et comment se purifier-t-on il y a 2500 ans, on se purifiait, comme vous venez de le voir dans la vidéo, au contact de cendres de vaches génisses, donc parfaitement rousses, abattues et incinérées exprès. Mais attention, aucun poil d'une autre couleur ça ne devrait être apparu sur la bête. Vous voyez le lien avec la sola tel barkala et la description de la vache. Cinq génisses rousses du Texas donc, sont donc arrivées à l'aéroport de Tel Aviv et accueillies par 300 juifs messianiques. il y a de ça maintenant un ah, an pour répondre <coughs> pardon, aux normes rabbiniques juives. Les jeunes vaches ne devaient pas avoir plus de deux poils non roux euh, ne devaient pas avoir été utilisées pour un quelconque labeur, hein, comme dans ce le ne devaient pas présenter de tâches, notamment, par, euh, notamment pas de marques de, ou d'oreilles percées, pas de marquage, pareil. Et euh, l'Institut euh, du Temple de Jérusalem, euh, à Jérusalem, avait envoyé donc, une équipe de rabbins au Texas pour euh, inspecter les jeunes vaches et identifier les candidats potentiels. Les génies sont désormais élevés en Israël et seront inspectés et préparés pour un éventuel sacrifice lorsqu'elles auront deux ans et un jour à partir de leur troisième année. Ces cinq vaches ont été offertes par des chrétiens évangéliques, euh, soutien du Parti républicain et du sionisme religieux, c'est l'alliance de la droite américaine façon Trump et de la droite israélienne façon Netanyahu, ce fameux, fameux encore type d'alliance dont je veux parler euh, depuis le début. De nos jours. Euh, euh, tous les Juifs, selon eux, y compris les Kohanim, sont considérés comme impurs de l'impureté transmise par un cadavre. Les Kohanim, c'est le pluriel de Kohen. Donc j'ai appris tout ça en faisant des recherches. Hein. Euh, et les Kohanim, donc les Kohen, ils avaient traditionnellement deux rôles euh, principaux euh, en dehors du service du temple. Le premier était d'éduquer le peuple juif et de lui enseigner la euh, halakha, comme il est dit, euh, euh, car les lèvres du, des Kohen, du Kohen garderont le savoir et c'est de sa bouche que l'on recherchera la Torah. Euh, bien que dans la vie aujourd'hui donc ce statut n'a pas beaucoup d'effets pratiques, il est interdit donc aux personnes impures d'entrer dans le peuple et selon la tradition rabbinique lorsqu'une génisse rouge est sacrifiée et réduite en cendres le sacerdote peut être purifié donc les membres du temple peuvent être purifiés et la construction d ça va être le signal de euh, la possibilité de la construction d'un nouveau temple euh, qui pourra alors commencer. je n'ai pas le temps de tout développer ce soir notamment au sujet du temple de Soleiman de l'arche, etc. Mais ce qui est impressionnant par rapport à l'histoire, comme je l'ai expliqué au début du rappel, c'est comment ils utilisent les symbolismes et comment ils annoncent leurs agendas. Euh, le discours de Macron à la loge maçonnique du Grand Orient est pour moi encore un message envoyé aux partisans de ceux qui sont pour la reconstruction du temple. Je vous laisse regarder les liens entre le temple de suleiman et comment sont élaborés l'architecture et le décorum du Loge maçonnique, et qui était Hiram et comment il est vénéré dans les loges. Et je vous laisse aussi faire des recherches sur l'architecture de ces loges maçonniques qui ressemblent aussi au temple où l'on adorait Baal, euh, qui peut être aussi euh, Balzébuth, euh, qui signifie euh, Baal, aussi Zabel, Baal -Zébel, Zabel, qui signifie ordure fumier. Et je vous laisse faire des recherches sur ce qu'ils appellent la Jérusalem céleste. Donc, pour information, le culte de Baal était ponctué de rites sexuels. Même les objets religieux liés à Baal, les colonnes sacrées, et les poteaux sacrés, par exemple, ils évoquaient la, la sexualité. Les colonnes sacrées euh, euh, et, et les rochers ou pierres taillées en forme de symboles phallique représentaient Baal, la partie masculine de l'union sexuelle. Quant aux poteaux sacrés, c'était des objets de bois ou des arbres qui représentaient euh, euh, l'élément féminin. Je vous laisse lire au sujet des colonnes dans les temples maçonniques et les liens avec le féminin et le masculin. La prostitution sacrée et les sacrifices d'enfants étaient d'autres aspects notables du culte de Baal. Dans l'époque antique, le sacrifice d'enfants et les orgies bisexuelles étaient une pratique commune sur les hôtels euh, de Baal. Vous comprenez peut-être aussi là en quoi je peux euh, dire que l'histoire se répète, mais cette fois-ci à l'échelle euh, mondiale. Vous avez d'ailleurs euh, la réplique d'un arc d'un ancien temple de Baal qui a été. Vous pouvez y rechercher, hein, ce que je dis, c'est trouvable partout. Vous avez la réplique d'un arc d'un ancien temple de Baal qui a été érigé. Euh, dans les espaces publics des principales villes du monde d'avril 2016 jusqu'en 2018. Ils ont exposé à Travalgar Square, à Londres, euh, pendant euh, les trois jours qui ont précédé la fête de la PAC juive, à Florence, en Italie, euh, au cours de la réunion du sommet des, du G7 à Dubaï, lors de la réunion du sommet du gouvernement mondial, dans la ville de New York, euh, au Capitole, Mall à Washington, Amsterdam. Mais pourquoi en fait euh, le centre du patrimoine mondial affirme qu'il est en train, euh, en faisant ça, de montrer juste un peu d'histoire au public. Alors pourquoi ne pas l'installer dans un musée parmi des milliers d'autres grands de l'histoire, euh, artefacts de l'histoire? Pourquoi euh, le morceau d'un temple de Baal? Euh, L'arc original de Palmyre a été construit par les Romains au IIe siècle comme une entrée dans un temple de Baal qui existe depuis 3000 ans en Syrie et euh, le temple avait une fournaise puissante sous une statue en bronze, en bronze avec une tête de taureau. Peut-être vous avez déjà vu ça dans des représentations qui représentaient donc le, le dieu Baal. Et malheureusement, le prêtre du temple mettait les enfants et les bébés dans leurs bras tendus et les rouait vers le feu ardent comme des sacrifices humains, des roulements de tambours bruyants étouffaient les cris. Les prostituées du temple étaient utilisées afin que des hommes ou des femmes euh, qui demandaient à euh, de l'aide de Baal puissent pratiquer des actes obscènes avec eux en guise d'adoration. C'était un endroit où on commettait le, le plus abominable et les plus abominables atrocités contre des enfants innocents, contre tout ce qui est juste et bon et contre Dieu lui-même. Baal est mentionné 94 fois dans la Bible euh, comme une force destructrice contre le peuple de Dieu. Il est le seigneur euh, des mouches, le dieu du fumier et le symbole de Satan lui-même. Pourquoi je dis ça Parce que ce qui se joue actuellement, et pourquoi je raconte ça Parce que ce n'est pas du, du fait divers et loin de là. Ce qui se joue actuellement avec, euh, pour l'Ebano Israël et les chrétiens, c'est une invitation, ou plus que ça même, un appel à revoir leur dogme et nettoyer tout ce qui a pu venir, le salir, le dénaturer, l'entacher. Et nous ne sommes bien sûr pas exempts de ces nettoyages à faire dans nos propres rangs. Euh, Samuel euh, exhorta donc son peuple en ces termes, il dira, euh, vous le trouvez dans Samuel et dans euh, les juges, écartez euh, du milieu de vous les dieux étrangers. Puis dirigez-vous résolument votre cœur vers Jéhovah euh, et servez-le lui seul. Pendant quelque temps, les Israélites obéirent à cette exhortation et ils écartèrent les baal et les images, euh, comme il dit ça, H -toret, et se mirent à servir Jéhovah lui seul. Donc, ça, c'est Samuel et les juges. Samuel 7, 3 et les juges 6, versets 25 et 27. Euh, dans Jean. Euh, 8, euh, verset 34, ces puissances spirituelles de Satan encouragent l'impureté sexuelle afin d'asservir spirituellement les humains. Et là est eh bien l'enjeu des ben Israël, resteront-ils fidèlement attachés au vrai Dieu euh, et euh, aux chrétiens Resteront-ils fidèlement attachés au vrai Dieu euh, Là est eh l'enjeu des ben Israël, resteront-ils fidèlement attachés au vrai Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et qui les a sauvés de l'esclavagisme euh, car Allah subhanahu wa nous le dit, hein? parmi le peuple euh, de Moussa, il y a une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui par là exerce la justice. Ce groupe-là, hein? ce groupe-là, va-t-il réussir à faire entendre sa voix Ou bien, comme à l'époque du veau d'or Va-t-il passer les pleins pouvoirs aux adorateurs de Baal, Dieu favori des Cana Canaan, qui promettaient entre autres de rendre le pays fertile L'histoire se répète ou elle continue. C'est le même film. Et il y a un conflit au sein des sectes de Banu Israël. Il y a ceux qui ont suivi leurs prophètes, dans Moussa, et qui veulent suivre les dix commandements divins. Mais il y a ceux qui ont fait du paganisme et de la cabale leur source et qui continuent de suivre le saméri et son culte, ou Nemrod et sa méthodologie, tous ces temps, sous l'égide de Shaitan. Pourquoi, depuis le début, tant d'attrait pour l'idolâtrie euh, et le mensonge euh, Donc d'abord, je viens de le dire, ce culte sensuel avec euh, ses orgies sexuelles attirait, mais c'est aussi la peur qui va pousser les Israël vers le culte, culte de Baal comme ils avaient cessé d'avoir vraiment foi en allah complètement, la peur de la mort et des morts, la peur de l'avenir, car ils sont superstitieux et l'engouement pour les forces occultes vont les amener à pratiquer du spiritisme, lequel spiritisme contenait des rites euh, des plus abjects euh, euh, et qu'ils continuent euh, qu continue de faire. quand l'histoire se répète, je vous l'ai dit au début, et c'est le titre euh, de notre rappel, quand l'histoire se répète, soit est fait la différence, soit est fait euh, la différence. Alors, Allah nous le dit, en vérité, il ne modifie point l'état d'un peuple tant que les gens, le composant, ne modifieront pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Cette vérité divine nous pousse à dépasser notre volonté primaire du bonheur là, individuel et égoïste pour penser à ce que nous sommes et ce que nous voulons vraiment et elle appelle aussi à engager cette volonté dans l'action si l'histoire se répète et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de mon rappel soit et fait la différence et donc je vais euh, finir sur ça comment être et faire cette différence cette action volontaire demande un long travail spirituel et réflexif, réflexif que peu d'individus accomplissent entièrement. Ils ne sont pas le changement qu'ils souhaitent voir dans ce monde, car ils ne font pas réellement ce qu'ils veulent, ou ne font pas réellement partie peut-être pour eux de ce monde. Mais pourquoi Car la majeure partie du mal est commise par des gens qui n'ont jamais décidé de faire le mal, ni même le bien. Et c'est important la deuxième partie, ni même le bien. C'est-à-dire que le mal est plus souvent banalisé, pour reprendre les mots de la philosophe Arendt Anna, un mal commis sans volonté de nuire, sans réflexion profonde, simplement par ignorance, par obéissance, par conformisme, et parfois même emprise. On avait d'ailleurs ensemble visionné, rappelez-vous, l'expérience de Push pour illustrer ce process. Des êtres humains qui ont déserté leur propre leur conscience de vivre et, et, et d'être des humains. Qui ont oublié qu'ils sont des êtres pensants et agissants. C'est pour ça qu'Allah il dit ya al-albaib elbeb. Il ne rappelle donc que tu es un être pensant et ils ont donc euh, oublié qu'ils sont des êtres pensants et agissants en possession d'un libre bar... d'un libre pouvoir d'arbitrer. Et du coup, euh, ils se déshumanisent et s'exécutent. Au quotidien, nous voyons encore des gens qui, en s'acquittant scrupuleusement de leurs tâches ou en vaquant simplement à leurs occupations routinières posent comme ça des gestes euh, qui ont des conséquences fâcheuses et parfois même dramatiques pour d'autres êtres humains. Et ce mal-là, il est commis sans aucune intention de nuire, par des gens ordinaires qui ne ressentent pas de culpabilité, car les conséquences de leur action sont souvent éloignées ou voilées, les conséquences immédiates de leur action. Le but de cette soirée euh, ne se résumait pas, euh, et il ne se résume toutefois pas à tenter de comprendre pourquoi et comment l'accomplissement d'actes destructeurs peut s'être euh, avéré banal. Mon but est avant tout une tentative de compréhension et d'explication du phénomène inverse. Quel est-il Pourquoi certains individus marginaux parviennent à aller à contre-courant et acceptent de consacrer leur vie et de se sacrifier alors que tout semble concourir à ce qu'ils agissent conformément à la majorité obéissante et conformiste. Pourquoi certains individus parviennent à aller à contre-courant et acceptent de consacrer leur vie et de se sacrifier alors que tout semble concourir à ce qu'ils agissent conformément à la majorité obéissante et conformiste par rapport à ce rabbin et ce groupe-là qu'on a vu Ils sont sur place. Ils sont nés sur place. Ils ont grandi sur place. Ils auraient pu adopter cette façon de penser et cette idéologie qui règne en majorité. Mais ils vont aller à contre-courant. Et ils vont y consacrer leur vie se sacrifier. Ils vont se sacrifier à ne pas vouloir prendre de carte d'identité, ils vont se sacrifier à ne pas vouloir bénéficier des euh, allocations familiales. C'est quoi qui les anime Pourquoi certains sont prêts à, à perdre leurs followers, leurs contrats pour dire pas en mon nom C'est ça la question principale soulevée par cette soirée, c'est de savoir qui sont les anormaux qui refusent là où tout consente. Et pourquoi tous pardon consentent et pourquoi agissent-ils ainsi? Qui sont ces hommes et ces femmes qui dénoncent, qui relayent et se dressent contre le mensonge et choisissent de désobéir? Donc je rappelle le titre du rappel de ce soir, quand l'histoire se répète, sois et fais la différence. Et donc dans cette dernière partie et fin, pour conclure, euh, de cette soirée. Euh, on va parler de trois types de désobéissance qui sont étudiés par virginie, virginie baudin houle dans son excellent travail de mémoire. c'est son mémoire qu'elle a intitulé éveilleurs de conscience et désobéissance éthique. éveilleurs de conscience et désobéissance éthique. ces trois axes sont qui sont-ils? les refusants qui refusent d'obéir à une autorité destructrice, les objecteurs de conscience qui prônent la non-violence et les sauveteurs qui mènent des actions individuelles. alors cette insoumission non-violente et individuelle il faut préciser, elle n'est pas liée à une possible aspiration de ces individus à être des guides spirituels, des prophètes et des gourous en majorité. La plupart euh, des personnes euh, dont je vais parler ce soir euh, euh, agissent non pas dans l'espoir que d'autres imitent leur comportement, mais parce que c'est plus fort qu'eux euh, et parce qu'ils considèrent qu'ils euh, font leur devoir et qu'ils n'imaginent pas pouvoir agir autrement. Leur comportement... Euh, euh, en fait, euh, elle, a, elle, est, elle est plutôt euh, liée à une conséquence de euh, d'une banalité, d'une logique du bien. C'est c'est comme ça, et c'est pas, ils ne se présentent pas comme étant des saints. C'est comme ça et logiquement pour eux que tout le monde devrait euh, agir. Euh, donc, mon but, pourquoi je dis ça, c'est que les éveilleurs, c'est pour montrer que les éveilleurs de conscience. Euh, ce ne sont pas des êtres à part ou des saints euh, qui ne feraient pas de péché ou des héros euh, qui, auraient, qui seraient dotés de super-pouvoirs psychiques. Les éveilleurs de conscience sont des individus ordinaires, ordinaires tout comme le sont aussi euh, ceux que je viens de décrire, les agents exécutants. Ils ont par, par contre, juste, et l'homogiste, je l'ai mis en majuscule, décidé d'être le changement qu'ils voulaient voir s'installer dans ce monde. Ils ont choisi. De sacrifier une part de leur bien-être, de leur confort, de leur sécurité, de leur habitude alimentaire. Euh, vous avez vu dans la vidéo, ils parlaient de, de boycott pour défier une autorité destructrice et demeurer en accord avec leur propre conscience, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, pour pouvoir se regarder dans une glace. Ils vont faire un choix et agir en conséquence. En définitive, les éveilleurs de conscience perçoivent les implications des situations dans lesquelles ils peuvent euh, et, et ont un rôle à jouer et ils décident de faire le bien plutôt que le mal, là où ils peuvent. Important de rappeler que le mot autorité n'est pas réservé au cas d'obéissance ou de soumission, mais s'applique aussi au cas de conformisme et d'emprise. Euh, pourquoi Parce que le ch ce choix lexical, il découle du fait que le groupe, de même que le contexte ou l'idéologie dominante, c'est ce que je vais essayer d'expliquer, euh, peuvent faire autorité pour un individu au même titre qu'un être humain hiérarchiquement en position de force. Donc, euh, euh, ce qui est important de comprendre, c'est que euh, euh, l'autorité est une entité concrète ou figurée qui va guider, qui va coordonner, qui va imposer et sanctionner l'action d'un individu. Et on va voir que c'est l'autorité, bien plus que l'ordre ou la norme, qui a une incidence décisive sur les comportements des êtres humains qui agissent. C'est l'ordre régnant, si vous voulez, ou faisant régner. Et c'est précisément la légitimité que l'individu va reconnaître à cet ordre régnant qui fera foi des rapports qu'il va entretenir avec cette autorité. Alors là, la question qu'on peut se poser, que j'aimerais que si vous le souhaitez, vous, vous puissiez vous poser, euh, quel rapport ai-je avec l'autorité Et c'est lié à l'éducation, c'est lié à plein de choses. Est-ce que je me sens légitime et je m'accorde le droit de dire à cette autorité, quelle qu'elle soit, religieuse, familiale policière, politique, euh, administrative, associative, est-ce que je me sens légitime et je m'accorde le droit de dire à cette autorité, quelle qu'elle soit, qu'à un moment donné, elle dépasse les bornes quand elle les dépasse Est-ce que je me sens dans mon juste droit d'oser dire Ou ai-je plutôt peur de l'autorité Est-ce que je me sens, je ne me sens pas dans ce juste droit, dans cette légitimité Ai-je de l'autorité moi-même et qu'est-ce qu'être une figure d'autorité Qu'est-ce que l'obéissance L'obéissance, c'est l'action d'un individu qui se soumet à un ordre, à une consigne, à une loi, à un règlement, conformément à ce que, à ce que prescrit justement l'autorité. Et d'entrée de jeu, il importe de dire que l'obéissance à l'autorité est essentielle à la vie en société. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il est important de rappeler que l'obéissance à l'autorité est essentielle à la vie en société. Il est nécessaire qu'il y ait des lois, des normes pour permettre un euh, vivre ensemble harmonieux. Nous n'avons qu'à penser par exemple au code de la route, au code de déontologie, pour constater que euh, leur respect permet à la société d'exister en balisant donc euh, les droits et les libertés de chacun. Néanmoins, il convient aussi de rappeler que toute autorité n'est pas en soi bénéfique. Pour preuve, vous avez pu l'entendre depuis le début de mon rappel que faire quand cette autorité est une autorité diabolique Qu'arrive-t-il lorsque cette autorité est abusive, qu'elle sert des fins malveillantes, destructrices, ou que les injonctions qui en découlent mènent à des conséquences euh, néfastes et injustes pour autrui Et savons-nous réellement refuser adéquatement lorsqu'il est légitime de le faire Est-ce que là, je suis il est légitime de le faire, c'est-à-dire de refuser, ou plutôt, a-t-on appris à le faire, à refuser L'éducation nationale ne prône-t-elle pas justement tout l'inverse, une interdiction au débat, à la contradiction, au questionnement Vous connaissez sûrement aussi euh, l'expérience de Stanley Milgram dans la célèbre euh, euh, expérience qu'il a réalisée au début des années 60 dans les laboratoires de l'Université de Yale. Euh, il souhaitait observer et quantifier la capacité des individus ordinaires à faire souffrir un innocent sans défense par obéissance à une autorité. Alors, un sujet naïf devait actionner des manettes donnant euh, naïf dans le sens exécutant devant devait actionner des manettes donnant des électrochocs légers de 15 volts jusqu'à 450 volts qui, qui, qui est dangereux de manière graduelle à un autre être humain tout en étant contraint à l'action que par de simples incitations à poursuivre de la part du scientifique ici qui faisait figure donc de l'autorité et euh, la question qui va être posée c'est jusqu'où peut aller une telle obéissance et dans le cadre de l'expérience, ils ont tenté à plusieurs reprises d'établir une limite. Par exemple, les cris de douleur de la victime euh, donc qui, 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 qui faisaient mine. Hein. Euh, 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 donc, il y a des cris de douleur de la victime qui ont été insérés dans le déroulement des tests et ils se sont révélés insuffisants. C'est-à-dire que les cris ne suffisaient pas à ne pas euh, à, à, à faire arrêter l'expérience. Et cette expérience de 1000 grammes a été reprise dans de nombreux pays, ce qui va être intéressant aussi, pour vérifier donc si l'impact de la culture sur notre façon d'obéir et sur notre taux d'obéissance observé. Et les résultats vont montrer toujours sensiblement les mêmes, il hein, n'y euh, a pas de grands exemples, avec un asservissement euh, et un, euh, une soumission à l'autorité plus élevée. Euh, ou légèrement plus élevés à certains endroits, que ce soit à Munich, à Rome, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon, en Jordanie, au Brésil ou en Allemagne, en moyenne, deux personnes sur trois vont quand même obéir à l'autorité, même lorsque la vie d'une personne est censée être en danger. Et donc, Milgram, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire des gens ordinaires, dépourvus de toute hostilité, peuvent, en s'acquittant simplement de leur tâche, devenir des agents d'un atro atroce processus de destruction. Et donc, euh, même lorsqu'il ne leur est plus possible d'ignorer les effets donc, de leur activité, ils voient bien que là, tu ne peux pas ignorer le fait que la personne, euh, elle souffre, si l'autorité leur demande d'agir, euh, bah, ils vont continuer. C'est comme si rares sont ceux qui possèdent les ressources intérieures nécessaires pour leur résister. Et nos politiciens, faiseurs de guerre et manipulateurs de foule le savent très bien. Dès lors, l'étude démontre que les désobéissants, qui interrogent le système et la juste application au nom des ordres, et ceux qui s'objectent à l'autorité et refusent d'exécuter les ordres injustes et injustifiés, injustifiés font partie d'une minorité. Je rappelle le titre du rappel de ce soir, c'était Quand l'histoire se répète, soit il fait la différence. Et pour faire la différence, il convient, il convient, il convient tout d'abord d'accepter, du coup, préalablement presque, de ne pas faire partie de la majorité. Et ce n'est pas évident pour tout le monde. Puis il convient de comprendre que ce que c'est que le conformisme, comment il peut devenir conformisme aveugle, et il convient de connaître les mécanismes du conformisme et les conséquences et ses conséquences et les phénomènes d'emprise mentale. En se posant des questions. Suis-je plutôt quelqu'un qui me conforme au groupe, à la règle, qui me cantonne, qui me cantonne à mon poste sans regarder ce qui se passe autour, ou suis-je plutôt quelqu'un qui cherche à comprendre le pourquoi du comment? Et de ce qui se passe autour et comment l'action que je mène ici peut avoir un impact ici, mais aussi à l'autre bout de la planète. Vous avez une autre expérience qui a été menée. Euh, je suis désolée encore pour la longueur de mon propos, j'arrive vers la fin, mais c'était important de bien découper et de comprendre que l'histoire se répète et aussi la deuxième partie, donc soit il fait la différence. Et vous pourrez réécouter le rappel, donc qui sera découpé au moins en trois ou quatre parties, on verra. Il y a une autre expérience qui a été réalisée du professeur Zimbardo euh, et, ça, et, et elle a été euh, faite euh, sur elle s'appelle l'expérience donc de la prison de Stanford qui a eu lieu dans les au début des années 70 et ça parle de cela le chercheur et son équipe avaient reconstitué une prison dans le sous-sol du laboratoire de psychologie sociale de l'université de Stanford et ils avaient sélectionné des étudiants dits ordinaires pour endosser les rôles de prisonniers et de gardiens la question était de savoir comment réagiraient ces jeunes ordinaires s'ils se trouvaient soudain placés dans une position qui leur donnait un réel pouvoir de coercition d'ikrah sur d'autres individus. Rappelez-vous l'écrafting, c'est imposer, d'accord, s'imposer et être euh, coercitif, euh, voire Tyrannique. Et comment d'autres jeunes gens tout aussi ordinaires vont ravaler et vont ravaler leur fierté et leur honneur, se ravale, euh, euh, ravaler au rang de simples détenus, euh, vont répondre à cette soudaine et brutale dégradation euh, de leur identité, non seulement de leur cadre de vie, mais aussi de leur image. L'expérience devait durer deux semaines, mais elle va être interrompue après six jours. Cette durée a été suffisante pour que tous, prisonniers, gardiens et même douce, douze expérimentateurs, intègrent les modalités figurées. C'est-à-dire euh, qu'ils vont euh, euh, se prêter au jeu dans, les, dans le pire sens du terme. Et les gardiens vont considérer que leur groupe va devoir maintenir l'ordre et user de moyens de coercition pour mater, hein, on dit mater le maton, toute volonté de révolte chez le groupe des prisonniers. Euh, et il va falloir l'intervention d'une collaboratrice externe pour que tous prennent conscience de la gravité de la situation. Euh, les gardiens à qui on a attribué ce rôle en étaient venus à utiliser des techniques de plus en plus dégradantes, humiliantes à l'encontre des prisonniers. Vous comprenez peut-être ainsi mieux le comportement glissant de certains membres de forces de l'ordre aujourd'hui face à des manifestants pacifistes. Le facteur d'appartenance jouant ici, je me sens appartenir au groupe et j'utilise les méthodes du groupe sans les remettre en cause, même si beaucoup ne se reconnaissent plus et malheureusement finissent en dépression avec un taux de suicide qui ne cesse d'augmenter au sein euh, des rangs des forces de l'ordre. Et nous avons pu voir dans l'histoire, avec un grand H, ce que ce sentiment d'appartenance au groupe a pu provoquer comme suivisme et atrocité, et jusqu'où l'homme est prêt à suivre, à rejeter et dénoncer son prochain, pour sa simple appartenance religieuse, par exemple, mais pas que. Il faut se poser la question de nos talons d'Achille, de nos faiblesses. Par exemple, ceux qui souffrent de la blessure du rejet et de l'abandon dans nos cinq blessures de l'âme, vous connaissez peut-être de Louise Bourbeau, seront davantage manipulables dans un contexte totalitaire, ayant peur d'être évincés du groupe, mis au banc de la société. Et connaître son talent d'Achille, c'est important pour le guérir et se protéger et aussi et ainsi aider nos enfants à savoir dire non. Car si toi-même, en tant que parent et figure d'autorité, tu as peur de te défendre et dire stop devant des autorités qui ont été injustes envers tes enfants et pas que. Comment veux-tu que ton enfant n'ait pas peur et qu'il trouve modèle à se défendre Si tu n'oses pas pour toi, alors ose pour tes enfants et sois cette différence pensante et éclairante. L'état agentique est un phénomène qui se produit lorsqu'un individu devient l'exécuteur des volontés d'autrui, suspendant ainsi son autonomie, ce qu'on appelle son autodétermination. C'est comme si tu t'es laissé être colonisé. Par la volonté et les règles du jeu de l'autre. Qu'est-ce qui a été récupéré et conquis C'est ton libre arbitre. Quelqu'un d'autre arbitre pour toi, et tu n'es plus libre d'arbitrer avec tes règles. Mon arbitre avec mes règles sur ton terrain à toi. Or, ce n'est pas mon appartenance à un groupe qui doit me déterminer, car sinon je laisse sous-entendre que je ne suis pas responsable de ce que décide le groupe. Ce n'est pas non plus mon obéissance à des lois qui me détermine, car si je me détermine ainsi, je deviens un esclave colonisable un exécutant qui s'il si n'exécute pas a le sentiment de ne pas exister. Alors je précise aussi que pression il y a eu, pression il y a, il y a et pression il y aura. Et l'histoire se répète. Voici le type de phrase qu'ont eu à entendre les personnes qui ont fait l'expérience de 1000 et qui devaient activer l'électrocution, comme je viens de le raconter, à des voltages de plus en plus forts. La première phrase que dit donc le scientifique à la personne qui est en train de faire passer le test, continuez s'il vous plaît. Donc là, c'est une injonction, d'abord ferme, mais polie. Ensuite, le, donc, comme il doit augmenter le voltage, deuxième phrase, incitation, l'expérience exige que vous continuez. On augmente encore euh, le, le, le voltage, le scientifique dit à l'homme, il est absolument indispensable que vous continuez. C'est que des phrases, hein, mais qui jouent sur le système de pensée et euh, de, de règles appliquées dans, euh, par, par l'agent exécutant. Quatrième, quand il a fallu mettre le voltage super fort, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Donc on voit bien comment on part de la politesse par l'injonction. L'injonction de la non-possibilité de choix pour évincer tout doute. Donc, on parle de la politesse. Vers quoi Vers l'injonction de la non-possibilité de choix. Tu n'as plus le choix de continuer pour évincer tout doute ressenti par le bourreau. Parce que le bourreau, il, celui qui est en train donc de, de faire subir euh, euh, la torture, hein, euh, il, 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 il y met, alors ça dépend desquels, des doutes sur ce qu'il est en train de faire. Mais en fait, on veut vous empêcher de remettre en question les thèses établies. Donc, on ne vous laisse pas le temps ni le droit de douter. Et Milgram, il va citer le cas d'un employé de la Compagnie des Eaux qui a été lui-même testé. Donc, lui, on l'a embauché en tant que bourreau. Et donc, lui, euh, c'est un employé hein, de la Compagnie des Eaux. Euh, et euh, il va complètement assumer son état agentique. Euh, et il n'a pas été capable de prendre la mesure de la gravité des conséquences de ses gestes. Parce que quand il a rempli le rapport final qu'il doit rendre à la fin, il va confier avoir dit à sa femme, il va dire comme ça à sa femme. Je crois que je me suis montré discipliné et obéissant. J'ai suivi scrupuleusement les instructions qu'on m'a données, comme je le fais toujours. La phrase elle est importante. Et puis je lui ai dit, ma foi, euh, je crois que je m'en suis bien tiré. Et alors sa femme va lui dire, et si cet homme était mort Et lui de lui répondre, eh bien, il serait mort. Moi j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Faire ce que l'on me dit de faire comme un bon soldat obéissant, ne, re ne regardant pas la, la sagesse des ordres. Et si je me permets de raconter et de rappeler cela ici, c'est que l'histoire se répète et que l'état agentique sera toujours encouragé et suscité par ceux qui ont intérêt à ce que l'on s'exécute. Et Milgram d'interroger, devait-il continuer à obéir, donc à respecter euh, le respect de l'engagement et de l'autorité légitime ou devait-il respecter le principe son principe moral voulant qu'il est mal de faire savoir, souffrir un innocent en défense qui ne représente aucun danger pour qui que ce soit. Et donc il va aussi, Milgram, mettre en lumière la tension intérieure et le malaise, le malaise vécu par le sujet, qui est donc le bourreau, face à ces deux exigences. Il a deux exigences incompatibles. Euh, et dans sa tête, euh, je dois obéir et en même temps, ce que je fais, c'est pas terrible. Euh, et il dit que euh, finalement, si il a encore cette, dans sa tête, je ne parle pas de celui dont je viens de parler, parce que lui, il, avait, il, il a assumé total, mais il y en a qui vont remettre en question, qui vont avoir un doute, eh bien... Euh, euh, Milgram il dit bah si il ressent ce doute c'est que ça montre que euh, sa obudia n'est pas total et qu'il reste encore une parcelle de conscience du sujet vivante quoi et euh, 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 donc en fait Milgram il dit que c'est juste comme une sorte d'état d'endormissement de la conscience et de l'attention et il dit que le malaise ressenti c'est comme si c'était l'amorce d'un réveil en mode c'est mieux que rien et finalement pourquoi j'ai raconté tout ça C'est que les éveilleurs de conscience, pour vous parler donc euh, des trois catégories, c'est que les éveilleurs de conscience se sentent précisément investis par la mission de maintenir réveillés et éveiller les personnes qu'on cherche par ailleurs à endormir. Et j'ai sûrement dû en endormir euh, beaucoup ce soir de par la longueur de mon propos. Et euh, je m'en excuse, mais c'est vraiment pour faire euh, euh, un bloc et qu'on coupera en quatre et euh, vous pourrez réécouter à tête euh, reposée. Euh, et euh, que euh, me pardonne, inchallah de vous avoir fatigué. Et pardonnez-moi aussi, Inshallah. Euh, donc, euh, je vous ai dit, les éveilleurs de conscience se sentent précisément investis par la mission de maintenir réveillés et éveiller les personnes qu'on cherche euh, par ailleurs à endormir. Comme je vous ai dit euh, au début du rappel, hein, quand ils te testent plusieurs fois pour voir si euh, si le corps sociétal est endormi, hein, on fait passer des lois, on voit si ça, si ça passe ou si euh, euh, les gens euh, euh, se réveillent. Et si on se réveille, c'est que la dose de morphine, hein, elle était pas assez, euh, les, les, les diversissements ne sont pas assez puissants, l'endormissement et l'avilissement la, la, n'est pas assez puissant, on va les endormir encore pour qu'ils ne réagissent plus à rien, à plus aucun stimuli euh, et qu'ils soient des endormis. Euh, donc, euh, les éveilleurs de conscience euh, cherchent à réveiller, mais aussi à rassurer et invitent à faire confiance. Euh, ils invitent aux gens à faire confiance à cette tension intérieure qui dit que cette voix intérieure qui te dit non, fais confiance à, cette, à ton âme et conscience qui te dit non, c'est pas normal et non, j'ai atteint mes limites là. J'ai peut-être suivi un moment, mais là, je cesse en fait. Là, je me réveille et euh, je dis stop, basta. J'ai peut-être consommé ces produits pendant un moment, mais aujourd'hui, je me réveille et je boycotte parce qu'on m'a endormi, parce que euh, j'avais pas été voir plus, euh, plus loin que mon bout du nez, parce que j'étais dans l'ignorance, parce que, parce que, parce que, mais aujourd'hui, euh, j'ose dire stop. Euh, donc... donc ça je l'ai dit. Ah oui, ça c'est important. Donc euh, celui qui obéit, l'agent euh, exécutant, hein, d'accord, euh, l'agissant, euh, l'obéissant, permet à sa conscience de s'assoupir, donc c'est comme s'il endort une partie de lui-même, par incapacité à assumer la peur qu'il ressent. La peur du rejet de, de ses pères, de ses maîtres, la peur de la solitude, la peur du désordre. La peur de décevoir, la peur de manquer de reconnaissance, la peur de, euh, de l'autorité euh, qu'il considère comme légitime, la peur de perdre euh, un certain nombre d'avantages, de, 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 euh, de perdre son statut, de perdre de l'argent, la peur d'assumer les conséquences de son refus, la peur d'assumer son individualité, sa différence. Euh, donc toutes ces peurs hein, qui sont existantes et qui sont inhérentes à la, à, à la nature humaine euh, et euh, au sujet desquelles, euh, Martin Luther King dira, notre problème n'est pas de nous défaire de la peur. Euh, donc euh, dira l'éveilleur de conscience Martin Luther King, mais plutôt de la brider et de la maîtriser, car c'est humain d'avoir peur, hein? et soit il fait la différence même en ayant peur, donc ça c'était pour ça que je voulais en parler, c'est soit il fait la différence même si tu as peur, parce que c'est humain d'avoir peur, car si tu attends de ne plus avoir peur, tu ne feras rien, et tu t'exécuteras à la tâche en ayant anesthésié la voix de ta conscience ». Et donc, c'est là où réside donc le trait le plus marquant des éveilleurs de conscience, c'est qu'ils parviennent à domestiquer leur peur. Euh, et s'il est possible pour les éveilleurs de conscience de domestiquer leur peur, euh, jusqu'à parfois assumer leur mort, c'est qu'ils possèdent cette conscience aiguë de leur responsabilité personnelle. Ils ne se déresponsabilisent pas de ce qui se passe sur Terre. Et ils ne sont pas, euh, ils gardent en contact et, et ils, ils n'ont pas perdu le contact avec leur conscience et la conscience de leur libre arbitre. Et plus aussi, ils n'arrivent pas à faire taire cette conscience qui crie en eux face à une autorité destructrice, ils n'en dorment pas la nuit, qui les pousse à passer de la pensée à l'action. Et c'est cette conscience qui les immunise face à l'inertie du groupe. Les éveilleurs de conscience préfèrent se sentir libres, bien qu'ils euh, aient pu être emprisonnés. Euh, autre analyse intéressante que j'ai pu lire. C'est euh, 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 une analyse qui a été faite sur le pourquoi, malgré le fait que certains comprennent que ce qu'ils font est injuste et injustifié, pourquoi ils continuent. Donc, on parle par exemple de continuité de l'action lorsque le sujet ayant déjà administré des chocs douloureux à la victime, il poursuit tout de même. Pourquoi Parce que le fait de continuer le rassure sur le bien fondé des actions qu'il a faites précédemment. Parce que s'il s'arrête, il serait forcé de dire qu'il a eu tort. Orgueil, hein. Il serait forcé dans sa fierté de constater qu'il a eu tort à partir du début et ce constat va créer une brèche dans son estime personnelle. Et euh, islamiquement parlant, on ne doit pas tomber là-dedans et on doit accepter de dire j'ai eu tort, euh, j'ai été faible, euh, j'ai été aveugle, euh, et maintenant aujourd'hui, je me réveille, j'étais endormie et aujourd'hui de... je décide de euh, reprendre ma vie en main et de faire la différence quand l'histoire se répète. Euh... Quoi qu'il en soit, un fait demeure, l'acte de désobéissance n'est pas aisé à accomplir pour la majorité des participants. Et il faut l'admettre, c'est pas si simple à dire et à faire. Et on le voit bien. Le prophète alayhi wa sallam, a, a dû aider euh, euh, les Quraysh à accepter de ne plus, euh, d'oser dire aux Quraysh que leur système euh, n'est pas adéquat, que leur système n'est pas euh, celui qui doit prédominer, euh, que leur système tribal n'est pas euh, le meilleur et que c'est pas simple que de oser parler à ce qui fait autorité. et dans une euh, expérience de, de même registre, il y a euh, une désobéissante, euh, une refusante euh, qui va se demander pourquoi euh, elle va se dire mais pourquoi je suis pas comme les autres. Euh, euh, et elle a pris conscience du fait qu'elle faisait partie d'un groupe minoritaire. et donc euh, si désobéir requiert une grande force, c'est peut-être aussi parce qu'il faut prévoir qu'on appartiendra dès lors à un groupe d'étrangers, d'étranges, de différents, un groupe très à part qui pourra être exclu de la société. On va le rendre indigène à cette société de par ce qu'il va euh, dénoncer et tout le monde n'est pas prêt à bien vivre euh, ce rejet-là, euh, ce bannissement-là. Et comme je l'ai dit dans un euh, des plans de Dieu, euh, ce qu'a vécu le prophète, on doit se préparer à le vivre à, à, à une échelle peut-être moindre, euh, bien sûr, parce que les prophètes et le prophète restent prophètes, mais quand il a été question du bannissement, euh, euh, ne pas ne, ne, ne s'étonner si soi-même on sera amené à le vivre. Et quand l'histoire se répète, soit il fait la différence et soit il fait exception et accepte d'être. Euh, euh, exceptionnel et rejeté finalement euh, dans, à cause de cette exception alors euh, comme je l'ai signalé au début de mon rappel, on arrive à la fin il y a plusieurs différents qui vont faire la différence vous allez me dire ça fait dix fois que je dis qu'on arrive à la fin mais on y est presque les refusants, donc première catégorie de ceux qui veulent faire la différence on a ce qu'on appelle les refusants et c'est une catégorie qui a de par l'histoire toujours existé euh, c'est Philippe Breton qui a consacré un livre entier à ceux euh, qu'il a nommés les refusants. Donc effectivement, c'est un rappel qui est long, qui a nécessité de lire un certain nombre de, de livres, d'articles, etc., qui, euh, je vous l'accorde, m'a pris du temps à être préparé. Alhamdulillah qu'Allah accepte. Euh, mais on ne saurait comprendre si on ne lit pas. Euh, je n'ai euh, aucune prétention dans ce que je vous annonce, dans ce que je vous transmets. Je n'ai fait que de lire, de faire des recherches, tout simplement et c'est à la euh, euh, portée de tous et toutes, à condition, c'est vrai, que de revenir à la lecture. Donc, je reviens à ce qu'a écrit Philippe Breton, qui a donc euh, consacré un livre entier euh, sur euh, ceux qu'il a nommés les refusants, euh, et euh, il, 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 il s'est appuyé sur les travaux qui portent sur les meurtres de masse et les génocides, et il a souhaité démystifier le phénomène rare, mais réel, qui existe de la refusance. Il a voulu montrer que même si on est dans un phénomène de, de, de meurtre de masse et de génocide. il y a toujours eu au sein de ces, euh, euh, de ces euh, atrocités des euh, individus qui vont oser être dans euh, ce qu'on appelle la refusance et qui vont refuser. Euh, euh, alors même si c'est un refus marginal, mais ils vont refuser de participer à des massacres alors qu'une majorité d'individus euh, vont y consentir et vont s'exécuter. au sein même des forces de l'ordre, vous allez avoir des refusants. le refusant est donc c'est un individu qui va parvenir à s'extraire euh, des processus d'emprise, d'obéissance et de conformisme au groupe en faisant ce qu'on appelle un pas de côté. Il est très important, et il est très important cette phrase, il est très important ce pas de côté, d'où l'affiche que j'ai choisie euh, euh, donc avec ce pion-là. Euh, donc même si tu as le sentiment d'être un pion sur un super grand échiquier, tu peux faire ce, ce, ce saut de, de, de côté sur la case d'à côté, euh, et donc sans forcément nécessairement euh, devoir justifier ton geste, mais. Euh, donc sans euh, euh, donc les, les refusants, ce qu'il explique Philippe Breton, ce ne pas des gens qui vont euh, opposer leur morale, leur idéologie, euh, et qui vont dire euh, que c'est religieux, leur pas de côté. Ils ne vont pas forcément argumenter ce pas de côté, ils ne sont pas des résistants, mais ils vont simplement euh, non pas moi, euh, euh, voilà, c'est non, pas moi, et hop, ils se mettent sur le côté. Euh, donc le refusant, c'est un exécuteur qui refuse d'exécuter l'acte qui lui est demandé. Et pour euh, la victime qui voit le refusant, il euh, y en a qui ne vont pas forcément faire la différence entre lui et le bourreau parce qu'ils euh, vont quand même rester dans le groupe avec les persécuteurs. Ils ne vont pas dénoncer les persécuteurs, mais ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas s'exécuter. Et pour les résistants, qui eux prennent le véritable risque du refus raisonné et argumenté, le refusant, il va le mettre dans le même groupe en disant que c'est un lâche parce qu'il ne renie pas son groupe d'appartements, il ne demande, euh, demande pas une autre affectation ou quoi ou qu'est-ce. Mais il faut quand même euh, préciser, comme le dit euh, euh, le, euh, Philippe Breton, que le refusant, il est quand même plus courageux et plus convaincu que ne l'est euh, l'embusqué et celui qui, qui s'exécute se cache discrètement et ne prend même pas la peine de faire un pas de côté aux vies au vu, au sud de tous. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les objecteurs de conscience. Les objecteurs de conscience, moi je parle de tout ça pour que vous essayez de déterminer finalement, dans des situations terribles où, où ça peut-être déjà arrivé de devoir vous positionner, dans quelle euh, posture vous vous, êtes, vous vous sentez être en majorité, de, dans la majorité des cas. L'objecteur de conscience, euh, c'est un refusant qui non seulement fait un pas de côté, mais fait aussi un pas en avant, en exposant les raisons de son refus d'obéissance et en s'engageant pour elle. L'objection de conscience se manifeste sous trois formes, la désobéissance civile, la non-coopération et la résistance non-violente. Euh, vous avez l'émission qui, euh, qui, est, qui est sortie là hier euh, sur euh, Cyril Hanouna, sur euh, complément d'enquête. Et euh, vous avez des gens qui ont été des refusants, c'est-à-dire je refuse euh, de euh, continuer à, euh, à vivre dans cette ambiance que euh, pouvait faire régner euh, euh, l'animateur, mais sans dire pourquoi, donc ils sortent. Et puis vous avez les objecteurs de conscience qui, eux, vont faire le pas de côté, ils vont faire le pas en avant en disant Je sors de cette team-là et je le dis pourquoi. Et puis vous avez ceux qui sont des fervents défenseurs de la désobéissance civile. La désobéissance civile, elle s'incarne concrètement dans le refus de respecter une loi ou un règlement qui a été démocratiquement, entre guillemets, entériné, mais qui, selon l'objecteur de conscience, est injuste et inconstitutionnel. Et pour vous donner un exemple, vous avez Henri David Thoreau. Si vous n'avez pas lu ces livres, je vous invite à les lire. Donc Henri David Thoreau euh, va euh, dans euh, son livre sur euh, euh, dans sa théorie de la justice va euh, définir ce qu'il entend par la désobéissance civile. Donc euh, euh, il va dire qu'est-ce que la désobéissance civile Henri David Thoreau, c'est un acte public non violent décidé en conscience mais politique contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Donc, il faut contextualiser Henri David Thoreau, de quoi il parle et euh, à quelle époque il parle. Henri, -Henri David Thoreau va refuser de payer l'impôt à l'État du Massachusetts parce qu'il ne souhaitait pas, en, finançant ses imp en payant ses impôts, financer euh, l'État qui était esclavagiste à l'époque, qui était euh, euh, en train d'esclavager de, euh, et d'être de, 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 en guerre avec le Mexique, on ne peut pas parler de guerre pour des raisons territoriales. Et il va être donc contraint, en refusant donc de payer ses impôts pour ne pas euh, payer l'esclavagisme, à passer une nuit en prison. Et il va dire si une loi, de par sa nature même, vous oblige à commettre des injustices envers autrui, alors je vous le dis, enfreignez-la que votre vie soit une friction contraire qui tente d'arrêter la machine. C'est magnifique ce qu'il dit. Que votre vie soit une friction contraire qui tente d'arrêter la machine et c'est en ça que je vous dis d'être et de faire la différence quand l'histoire se répète parce que la machine c'est la même. Et il dit mon devoir est de veiller à tout prix à ne pas être moi-même complice du mal que je condamne. Personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. Henri David Thoreau personne n'a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir quelque chose. Et si ça, ce n'est pas historique, et ça, si ça, ça ne, vous dit, ça ne vous parle pas par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, euh, moi, je ne peux rien faire d'autre, à part ce rappel-là de 4 heures qui vous a gonflé les oreilles, je peux rien faire d'autre. Il y a une précision constatée subhanallah, lorsqu'un, et ça, c est, c est, ça m'a... Ça m'a marqué, c'est pourquoi j'ai voulu vous la, vous la transmettre euh, et transmettre aux, aux 155 personnes encore en vie euh, ce soir. <laughs> euh, Lorsqu'un seul témoin, écoutez bien ce que c'est, Rajib, l'être humain, ce qu'a créé B, on est Rajib. Lorsqu'un seul témoin est présent dans une situation d'urgence, il se sent être fardain. Il se sent être responsable. Euh, il se sent être porter la responsabilité du devoir d'assumer ce qu'il vient de voir. Et il va sentir sur lui tout le poids de la culpabilité s'il n'agit pas. Il va porter sur lui le seul blâme de l'absence d'intervention. Mais si d'autres personnes sont présentes, la charge, le poids de la responsabilité va être partagée. Elle va se diffuser sur sur le reste, sur le groupe. Et donc, si, si vous voulez, le doigt du blâme là qui est pointé vers soi, elle ne va plus être dirigée vers une seule personne, mais sur plusieurs personnes. Et donc, l'individu va se sentir moins. Euh, euh, plus dans un fardeau Et l'individu va se sentir ainsi, moins incité à résoudre le, le problème et le conflit. Euh, et il va se dire ouais, mais si, pourquoi c'est moi qui interviens et pas les autres Et puis, il y en a d'autres aussi qui vont intervenir. Alors, je peux les laisser intervenir ils sont peut-être mieux placés pour. Hein, d'autres, il va se dire, d'autres vont s'en charger. Alors je me décharge. Subhanallah. Vous avez aussi ce qu'on appelle la non coopération. Et euh, parmi les penseurs, pareil, vous pouvez lire Étienne euh, de, de la Boissy, euh, dans son discours de la euh, servitude volontaire. Son discours sur la servitude volontaire, j'en parle dans, je crois, aimer croire et devenir. Dans mon livre, aimer croire et devenir, il y a des verbes qui ne se conjuguent pas à l'impératif. Aimer, croire et devenir. Euh, c'est étienne de la Boissy qui en parle du 16e siècle euh, qui euh, va parler de ce qu'il a, qu a appelé la non-coopération. en fait, ce qu'il explique, c'est que le tyran, sa seule force, c'est la force que le, peu le peuple lui concède par sa coopération. Euh, si y a esclavagisme, c'est qu'il y a des esclaves. s'il y a colonialisme, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent être colonialisées Col oui, c'est ça, coloniser, pardon. Et en cela, aujourd'hui, on peut presque dire qu'il y a euh, une forme d'esclavagisme mondial des peuples soumis au dictat de la finance, et pas que. Et je désirerais seulement qu'on me fît comprendre comment il se peut, dit-il, que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d'un seul tyran qui n'a puissance que celle qu'on lui donne. Et donc, j'ai voulu ce soir euh, faire en sorte d'expliquer de, de, que mieux nous comprendrons ce qui pousse les individus à se placer eux-mêmes dans l'état agentique, pour ne pas dire d'esclave, mieux nous serons préparés à ne pas succomber à cette tentation, à ce piège, et à défendre les euh, revendications de notre propre autonomie, à prendre conscience que, comme l'avait montré Hegel aussi, la vérité du commandement est dans l'obéissance, et que c'est le serviteur qui, en dernier ressort, confère, confère au maître le pouvoir de l'aliéné. Allah il nous dit :« dans le Coran ». Shaitan cherche à vous faire peur. N'ayez pas peur à lui, mais ayez peur à moi. Saïd Normal, Ibn al khattab anhu Shaitan traversait la rue et ne marchait pas entre guillemets sur le même trottoir que lui parce qu'il avait peur de Saïd Normal. Mais qu'est-ce qui qualifie la personnalité de Saïd Normal Il n'avait pas peur. Shaitan utilise nos peurs. Au plus, nous aurons peur. Au plus, nous serons euh, aliénable donc euh, j'ai voulu montrer que euh, c'est le serviteur qui en dernier ressort confère au maître le pouvoir de l'aliéné euh, légitimement par sa propre soumission le pouvoir qui le tient sous son emprise et enfin vous avez ce qu'on appelle la catégorie des sauveteurs Qu'est-ce qu'un sauveteur Donc j'ai parlé de la catégorie donc euh, des objecteurs de conscience, j'ai parlé de la catégorie des refusants et là je parle de la catégorie des sauveteurs. C'est quelqu'un qui prend un risque parfois au prix de sa vie dans le but de soustraire quelqu'un d'autre à un destin tragique. Vous l'avez dans Sound of Freedom là dans le film qui vient de sortir sur ces, euh, ce réseau de pédos, criminalité sataniste, d'accord et qui vont au prix de leur vie euh, essayer de sauver ces enfants euh, de euh, ces sentinelles du mal. Vous avez donc, c'est quelqu'un qui va aider une personne à s'enfuir, évacuer un enfant comme l'ont été aussi les justes entre les nations, euh, par exemple au moment de euh, la guerre. Les donneurs d'ordre, les agents exécutants, les refusants, les objecteurs de conscience qui choisissent la désobéissance civile et la non-coopération avec les axes du mal et les sauveteurs ont toujours existé et ils existeront toujours. Ce soir, j'ai voulu vous faire vous interroger, à vous de réfléchir à quelle catégorie nous semblons appartenir. Et j'espère qu'à travers ce long rappel, vous avoir montré en réalité ce que le Coran lui-même nous montre, la situation du monde qui ne change pas, la situation de l'être humain qui ne change pas, que l'histoire se répète et ne fait d'ailleurs que euh, de se répéter et de s'empirer, car l'être humain est le même et que l'ennemi déclaré de l'homme est le même. Et l'être humain euh, a tout intérêt à ne pas déserter la vérité et à ne pas laisser se commettre de nombreuses injustices sans dire stop sans dire pas en mon nom, sans agir, sans boycotter, parce que le boomerang revient toujours et que euh, ce que tu sèmes, tu le récoltes et ce que tu auras laissé faire, tu auras toi-même à le subir. Et j'ai voulu vous montrer aussi que l'on peut s'extirper de ce cercle vicieux et que nous sommes responsables de l'histoire à laquelle nous appartenons d'une certaine mesure. On peut choisir de vivre dans cette ellipse qui s'enroule et qui tourne sur elle-même en progressant vers Allah. À chacun de choisir de monter ou de descendre son escalier en colimaçon. En osant ou pas être l'exception et cette exception devant le mal. Il y a, comme je vous l'ai rappelé, des kabbalistes, des messianistes, activistes qui se sont fixés pour but de réaliser la fameuse prophétie suivante qu'on trouve dans le Midrash Tehilim sur le psaume 45,3. Israël dit à Dieu Quand donc viendras-tu nous racheter la rédemption dont a parlé le fameux rabbin dans la vidéo Et Dieu répondit Quand vous serez tombés. Au point le plus bas, à ce moment-là, je viendrai vous racheter. Athée, la venue du Messie, selon eux, consiste à conduire le monde vers son état le plus bas. Quant à nous, c'est pourquoi il a dit dans la vidéo ne demandez pas la, la rédemption, parce qu'il sait que du coup, ça va précipiter le fait que ce monde aille de plus en plus mal. Et quant à nous, nous devons chercher à conduire le monde vers son état le plus haut. Et l'on peut admirer à juste titre cette belle parole du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes qui m'ont précédé, et moi-même, sommes comparables à ceux-ci. Un homme a construit une demeure et l'a rendue en tout point admirable. Mais il restait vide l'emplacement de la dernière pierre. Les gens intrigués tournaient autour de la maison et se demandaient pourquoi cette pierre, euh, cette dernière pierre, n'avait pas été placée. Je suis cette pierre et je suis le dernier des prophètes. Alayhi wa Soyez mati les pierres à l'édifice d'un monde meilleur, et les acteurs responsables et engagés pour une histoire. dont on aura واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا. في بروف de patience mon frère et ma soeur en restant avec ceux qui invoquent leur seigneur matin et soir comme nous sommes ان شاء الله en train de le faire. Et nous le faisons sur Dar al-Qur'an, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas, n'obéis pas, n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Je pense que l'on ne pouvait pas mieux terminer avec euh, cette ayah de euh, Sourate Al-Kahf. Euh, que nous avons euh, lu sur Derrière-Polen aujourd'hui et que nous lisons tous les vendredis pour euh, trouver cette force euh, de, de pouvoir patienter quand l'histoire se répète et pour trouver la force d'être euh, et de faire la différence en, en fréquentant les gens du zikr mais les gens du fikr aussi. Il faut faire partie de zikr et de ceux qui sont aussi dans le fait qui réfléchissent par rapport au rappel, par rapport au Qur'an, et qui ne font pas du Coran un livre d'histoire du passé, mais qui comprennent que le Coran est un livre qui nous sert aujourd'hui, dans notre présent, et qui nous servira dans notre futur. Euh, Inch'Allah. Euh, je remercie euh, toutes les âmes patientes euh, qui sont restées parmi nous. Je remercie mes sœurs de la technique. Qui ont dû prendre euh, des, sûrement euh, des excitants du thé pour pouvoir tenir ce soir. Alhamdulillah. Euh, au vu de l'heure, j'ai dit que je terminais à, à, à minuit. Euh, il reste peut-être cinq minutes comme ça pour essayer de voir s'il si, euh, y avait euh, effectivement des, des questions euh, euh, et puis des remarques, pas que des questions euh, qui, pouvaient, euh, qui peuvent euh, rajouter. Alhamdulillah. Euh, des informations au rappel de ce soir. Ah oui, précision, j'avais dit que j'avais invité, je vous avais invité à aller regarder le film de l'abbé Pierre. Je ne sais pas s'il est encore en salle, mais si c'est le cas, essayez d'y aller pour qu'on puisse justement euh, faire cette soirée pour que vous puissiez comprendre finalement l'abbé Pierre. Alors, c'était quoi Un éveilleur de conscience Un refusant euh, Un objecteur de conscience C'était quoi euh, et, et comment euh, Voilà, ça va être sympa de voir qu'est-ce qu'il a réveillé en vous si vous ne connaissez pas encore sa vie. Euh, on verra, j'avais déjà fait aussi un petit rappel une fois sur, euh, sur ces deux livres, un qui s'appelle Servir et l'autre qui s'appelle Mémoire d'un croyant. Alors, je vais euh, regarder. Euh... Je m'excuse donc, euh, alhamdulillah, pour euh, la durée. Euh, on précise qu'on en évite, s'il vous plaît, de mettre des liens sur le groupe sans avoir demandé l'autorisation. Euh... Alors. Ensuite, donc je regarde. Merci pour vos encouragements. Merci à tous les insomniaques. <laughs> ah, voilà. Merci, merci de mettre les liens, les sœurs de les, nos, nos techniciennes machallah, vous ont mis des liens pour que vous puissiez aller plus loin quand j'ai cité des livres. J'aime la retirer, jazik. Merci d'avoir pu euh, alimenter le chat. Baraklaoufi, euh, Zenab se lever quand tout le monde reste assis hypnotisé. Merci beaucoup. Oui, professeur Raoult, très intéressant d'avoir cité exactement. Hein, ça a été dur pour lui que d'être euh, à contre-courant. Euh... Voilà, vous avez tout à fait compris quand je lis hein, tout ça. Là, Pour l'instant, je vois que des. Oui, 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 voilà, Farida, le retour à la source du Coran, effectivement. Oui, 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 bah bon, écoutez, euh... Euh... oui, oui, voilà, vous avez, bah, Alhamdulillah, très bien, je vois qu'il y a des, des illuminés, hein, Alhamdulillah, bon, ok, je pense que là j'ai été jusqu'en haut, écoutez. Euh, je vois pas je vois pas de questions en particulier euh... Euh... et on... voilà si vous avez euh... là il reste deux minutes c'est ok pour vous hamdulilah ah bah si vous avez pas vu le temps passer euh... je sais pas comment vous avez fait mais... hamdulilah merci pour votre soutien euh... Allah accepte voilà qu'elle accepte on, on dépose ça là ça se ça se digère ça se décortique ça s'écoute ça se partage ça s'étudie faut approfondir faut lire faut pas manger tout cru de hein, heureuse de, de vous avoir su parmi nous Béatrice Manel, C'est des lucioles, effectivement. Oui, Bérec. <laughs> inshallah. Ok, les sœurs. Écoutez, il faut qu'on soit juste avec nos corps aussi. Euh... Oui, bibliographie, important. C'est vrai, je vous avoue que c'est ce que je me suis dit, J'ai pas eu le temps de l'écrire. Et en plus, j'ai pris aussi des livres qui sont sur la BNF en ligne, des livres très anciens. Euh, notamment sur euh, euh, sur euh, l'origine et l'histoire de la franc-maçonnerie, euh, sur euh, euh, sur le, justement le rapport avec la chrétienté et tout ça. Euh, mais je n'ai pas eu le temps de. Je, je m'en excuse de faire une bibliographie. Je le ferai, Inch'Allah, cessamment, sous peu euh, que Dieu me facilite, Inch'Allah. Je vous confie à Allah. Euh, si j'ai dit des choses vraies, ça vient de Dieu. Si j'ai dit des choses euh, fausses, ça vient de moi. Et euh, qu'Allah nous aide justement à nous montrer la vérité telle qu'elle est, pour ce qu'elle est et ce que nous sommes en mesure de, de la comprendre. Et qu'Allah qu nous accorde la science du la science du tafsir, la science du bayan, la science du balakh. Qu'on sache expliquer ce qu'on a compris, qu'on sache euh, appliquer ce qu'on a compris, qu'on sache comprendre le Quran à la lumière de ce qui nous arrive. Et euh, qu'Allah nous éloigne du battle, qu'Allah ne nous fasse pas comprendre ce qu'on n'a pas besoin de comprendre. Et euh, Dieu sait que, par exemple, euh, voilà, j'ai des proches euh, autour de moi qui sont partis voir Sound of Freedom. Je vous avoue que là, avec tout ce qui se passe en Palestine, ailleurs, je n'ai pas eu le cœur à. Euh, j'ai lu énormément de choses là-dessus aussi. Euh, mais aller voir le film, c'était pour moi de l'ordre de l'insupportable. Euh, et je, je pense que j'aurais pu hurler de douleur. Euh, quand on touche aux enfants et aux anciens, pour moi, c'est quelque chose qui, qui est insupportable. Euh, je ne sais même plus pourquoi je dis ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas supporter de savoir et que qu Allah fasse que euh, d'autres s'en chargent et d'autres puissent euh, voilà, diffuser. Et, et bien sûr, faites le distinguo entre ceux qui diffusent, ceux qui dénoncent euh, et, et qui ils ont une partie de la vérité, mais qui partent après dans des dans des croyances bismillah ar-Rahim, et qu'allah les guide insha'allah je vous aime aussi en dieu pardonnez-moi mes soeurs de la technique pardonnez-moi les soeurs de la technique euh, dieu mettez-moi je prie pour vous dans les sous et à la rupture du jeûne Inch'Allah, on continue le jeûne de Daoud Alayhi Salam, je ne sais pas si on va réitérer un troisième mois mais on termine Inch'Allah, déjà ce mois-ci je sens qu'on tire un petit peu aussi sur euh, sur notre corps on reste des humains on fait ce qu'on peut voilà on fait ce qu'on peut insha'allah euh, وفي امان الله وقال هذا واستغفر الله لي ولكم اختي مريم الله يجازيك بكل خير توت نو اميرات كالا فو ريكومبونس بور تو زيفور بو دون دو لا فوا اي كالا غيريس نو مالاد ان شاء الله اون سو لو بلو بو دي السلام ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله Merci, Myriam. Salam alaikum. Passez toute une bonne nuit sur la protection du Très-Haut.